faut le... Il faut le machin. Il faut aussi la corde électricité, non. Non. Non, c'est bon. Coucou! Quand je prononce les noms des gens comme ça, vous sortez jusqu'à... Quand je prononce un peu le nom des gens comme ça, vous faites que... Ouais. Bonsoir mes amours. Vous êtes déjà 80 personnes. Quand on se connecte, on envoie les cœurs. Quand on se connecte, on envoie les cœurs. Quand on est connecté, on envoie les cœurs. Vous êtes à 5 personnes. Quand on atterrit dans le direct de Mamie Sokono, on commence à envoyer les cœurs. Merci Nadej. On commence seulement à envoyer les cœurs. On envoie les cœurs. On envoie les cœurs. Voilà, bravo. On envoie le cœur pour encourager le Sokono. Pourquoi le Sokono sortait de mon ventre? La fille, s'il y avait le gros titre. Et après, Nyongo, quand vous êtes déjà 2000. Non, maman. Non. Bonsoir, Darlene. Il dit non, mais Sokoyeuse. Non, non. Quand j'ai Bibia NK dans mon way, quoi, ça veut dire que non. Je ne peux pas Bibia NK, après, je ne parle pas. Je ne peux pas Bibia Nathalie, quoi, après, je ne parle pas. Comment? Hein? Partagez d'abord. Merci. Il faut d'abord que j'hydrate mes lèvres. Je veux me parler pour dire que 1000 personnes. Oui. $150, voilà. Vous faites du bon boulot. Merci. Pardon. Maman, quand je suis comme ça ou quand je mets le haut blanc, ça veut dire que le soco serait trop transparent. On fait ça dans la transparence. Vous allez me dire, moi, mamie, vous savez que mamie Soko parle des choses toujours pertinentes. Même si des fois, elle s'exprime un peu mal, nous sommes seulement là aussi parce qu'on n'a rien à faire. Quand on sera 2000, non, bébé, je vous promets que maintenant, dès qu'elle lance au Soko, non, même si vous êtes combien je fais seulement, vous voyez un peu, non. Et puis, quand vous êtes 2000, il n'y a plus, mes chéris, je vous promets aujourd'hui, nous sommes dimanche. Et maintenant, quand vous serez nombreux, je ne n'yongo plus, vous promets. Mais ça veut dire que l'histoire, la dernière fois, là, vous a énervé jusqu'à. La dernière fois, j'ai fait le Soko, et quand vous serez 2000, après, j'ai fui. Depuis, les gens, vous me détestez jusqu'à. J'ai un peu plus fui, mes chéris, je vous promets. Vous comprenez, mais non, je vous promets que je ne fuis plus, moi. Je suis maintenant là, et vous, bango. S'il n'y a pas le Soko, je ne dis plus qu'il y a le Soko. Qui a le Soko? Je lance et je fais. Vous voyez, non, bébé. Moi, ça m'énerve. Si tu tentes de fuir un peu, on ne doit pas te dire, Léa. Je ne fuis pas. Aujourd'hui, je ne veux pas 1000 personnes connectées. Aujourd'hui, je veux qu'on soit 500. Je sais qu'on sera à partir de 500, les autres viendront regarder. Donc, faisons seulement. Tu commences déjà à avoir pitié de nos mégas. Je t'ai dit que vous avez trop crié sur moi l'autre jour, maman. Les insultes de ça. Vous m'avez trop lavé. Vous voyez un peu, non? Donc, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Merci à ceux qui sont en train d'envoyer les cœurs. Merci à ceux qui sont en train d'envoyer, de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est dimanche aujourd'hui. On ne fait pas la bouche. On est gentil. Ouais, Gaël, ne dites plus que la chose est non. Ouais, mes bébés. C'est qu'il n'y a pas les gens connectés. C'est pas bon. C'est ton pantalon qui me retient encore ici, maman. C'est le chien qui m'a poursuivi, qui m'a mordu comme ça, là. Voilà, si tu veux, tu fuis. Non, je ne fuis plus. J'ai vu que ça vous a beaucoup énervé. Et je ne fuis plus, moi. Ce qui est sort que non, ma, vous, comment, tu commences à faire ton sort comme ça, là, prends ding, non. On t'envoie seulement les messages que parle, non. Si tu as deux têtes, parle, non. Après, tu es seulement obligé de fuir. Voilà. Est-ce que vous avez envoyé combien de cœurs, Teta? Moi, je veux voir. Il faut d'abord. Moi, je ne veux pas 2000 personnes connectées. Aujourd'hui, je veux 500 personnes connectées. Oui. Aujourd'hui, je veux 500 personnes connectées. 500 personnes. Donc, faites les efforts de partager jusqu'à ce que nous sommes 500. Bonsoir, la superstar Paulette. Christelle Foucault, bonsoir, tant qu'il regarde. Samira, bonsoir. Bonsoir, petit Sénat.
Quand je vois seulement quelqu'un qui guette nos yeux, quand vous vous politez comme ça, là, vous dites bonsoir, mamie Soko. La politesse est gratuite. Chérie, bonsoir. Chérie Love, bonsoir. Rachel, Rachel, bonsoir. Je vais d'abord vous dire, prends deux minutes pour vous dire, si vous vous dites bonsoir, non, deux minutes pour vous dire bonsoir. Après, on commence notre Soko. Donc, on viendra regarder après. Caroline, bonsoir. Damaris, bonsoir. Voilà. Donc, ceux qui guettent et ceux qui écrivent, je leur dis bonsoir. D'abord, le temps qu'on atteigne même 300 ou 350 comme ça. Voilà. Kelly, bonsoir ma chérie. Comment tu vas? Ton pantalon là, c'est la guerre. Vous avez juste pour une bangando à la base. Je suis d'abord une bangando. C'est un peu là que. Oh. Quand tu bombes au jacin, c'est parce qu'en rentrant, je ne serai pas à la voiture. Donc, il bombe au jacin, c'est quand il sait qu'en rentrant, il va bâcher la moto. Le jacin, c'est quelqu'un me provoque d'abord. Avant que la police ne vienne, il va finir la personne. Catherine, bonsoir. Bonsoir, le bien. Le bien est bien. Ivy Choco, bonsoir. Bonsoir, maman, vous avez les noms ici, que châtime quoi. Gaël, bonsoir. J'aime ta perruque et tes ongles, mamie Soko. Oui, ma perruque est de chez Marilyn Hestine. Vous avez 305, merci pour ceux qui sont en train de partager. Vous avez 305 personnes. Mes ongles sont de chez Marilyn Hestine. Ma perruque est de chez Marilyn Hestine. Vous savez que c'est la référence. C'est la maison de la solution. Ou même quand ta perruque est gâtée comme le Kucha, tu viens avec ça, on te fait un relooking parfait sur ta perruque. Donc, c'est la maison qu'on ne trompe pas. Quand tu entres ici, tu ne ressors plus jamais. Tu veux seulement venir ici. Tu veux seulement venir ici. Karen, bonsoir. Delice, bonsoir. Mamie Soko. Bonsoir, Nancy. Paul Charlotte, bonsoir. Bonsoir, Laetitia. Léa, je te vante déjà trop. Hé, qui est? Je veux quoi? Aïe. Gay, merci pour les cœurs. Bonsoir, Yolande. Je me suis vanté, j'ai vu qu'on a mes bébés. J'ai fait quoi maintenant comment ils me vantent? Je sais même comment on baptise. Je ne connais pas le gros français. Là-bas. Le bâchement de ça. Mon mari, il vient tout aller les bâcher. Il bâche seulement pour rentrer chez moi. Il n'y a pas quoi la voiture me déposer. Il veut que bâcher. Voilà. La mise en compte depuis un moment, tu veux plus rien nous dire. Mais elles sont curieuses. Si je me suis connecté ce soir, c'est pour vous dire beaucoup, beaucoup de choses. J'ai tagué Nathalie quoi? J'ai tagué Koutelina. J'ai tagué Nadia. J'ai tagué Daphné, non? Pompez les queues maintenant, on commence notre Soko. On est à 340. On va commencer, les autres vont venir. Tant pis pour les rétalataires. Mais cependant, commencez à pomper les queues. Parce que je veux que moi, je fais les directs de 2 heures de temps, 1h45. Au trop 45 minutes, j'arrête nos directs. Vous voyez un peu nos mains. On va faire nos Soko en parlant de nos perruques, naturellement. Bon, mes Sokoyeuses, bonsoir pour ça, tous ceux qui sont connectés. Si j'ai tagué Nabila, tagué Daphné, tagué Koutelina, c'est parce que j'avais quelque chose à dire. Hein? C'est parce que j'avais quelque chose à dire. Donc, je vais vous donner un peu le Soko. Je lance le Soko. Je change ma perruque. Je vous donne le prix. Mais vous allez trouver le Soko très, très intéressant. Vous savez que... Vous savez que quand j'ai fait mes Soko, je profite pour faire le placement de mes produits. Vous savez, non, mes chéris. Parce que si je ne profite pas pendant que vous êtes connus pour faire le placement des produits, je ne sais plus à quel moment je vais le faire. Donc, on doit faire notre Soko maintenant en faisant le. Daphné n'est pas ton ami. Chris B, il ne veut pas mal parler. Je suis trop gentil aujourd'hui, c'est dimanche. Mais la personne qui contredit ce que je dis, je le blâme. Je ne suis pas la quête des abonnés. Si je parle, c'est mamie Soko. Oui, tu as seulement raison. Vous envoyez seulement les cœurs. Eh, mes chéris, la personne qui veut contredire, on le bannit. Parce qu'on connaît les gens, c'est là. Même que si tu parlais bien, ils vont tout dire. Ah, t'es pas c'est ton ami alors. Oh. Voilà. Donc, je vais vous faire un ressort maintenant. Je vais tout changer mes perruques en vous donnant le prix. Le prix, vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, voilà. Si j'ai tagué, on va commencer par Koutelina. On va commencer par Koutelina. Vous avez vu comment la perruque d'abord sur ma tête coûte 160 000. Dans cette période, d'abord sur ma tête coûte 160 000. Je commence toujours par mes produits, par mes placements de produits. La perruque coûte d'abord 160 000 francs pour celles qui veulent. Voilà, je vous ai dit que je suis égérie de Marilyn Hairstyle. Hein? Oui, le dernier prix c'est 140. Ok, ma chérie dit que le dernier prix c'est 140 000. Donc, ça c'est 140 000 le dernier prix. Voilà. Donc, mes bébés chantent. J'étais en train de vous dire ceci. Vous savez que. La dernière fois, Koutelina était à la une ici sur les réseaux. Oh, elle avait eu des problèmes comme ça. Là, ce qu'on a dit qu'elle oh, ne payait pas ses employés. Après, on a dit que Nior. C'était pas elle la propriétaire du lounge. Après, elle a porté plainte comme ça, la fille qui t'allait faire le chocolat. Pour finir, maintenant, la vérité est sortie. On a vu maintenant que sur son lounge, sur le Panamera, elle avait 70%.
C'est ça qu'on a bêché. On a vu maintenant qu'il avait 70%. Et on a vu qu'on était, le gars était venu faire le toqué porte. On a dit que le gars avait fait le toqué porte. Envoyez les cœurs pendant que je parle. Envoyez les cœurs. Pendant que je parle. Oh, je ne veux pas les choses là qui pas, vous ne voyez pas les cœurs. Envoyez les cœurs pendant que je parle. C'est comme ça. Hein? Vous savez que moi, ou avec 100 perruques, on se l'est toujours, non? On s'est arrasé et on assume. Non, on ne m'a pas agressé, non. On ne m'a pas agressé pour prendre mon iPhone 12. On a arraché, on a enlevé l'ongle ici, là. Vous voyez un peu. J'ai mis celle-ci, l'autre. Donc, maintenant, quand vous coûtez, là, il y a eu le problème, là, comme ça. On a dit que coûtez, là, a fait que gnon. On a fait le toque, on a fait son toque porte. Vous vous souvenez qu'on avait fait le toque porte de coûtez, là, non? Jusqu'à son petit frère avait fait l'erreur comme ça, il a posté sur Snap. Les gens ont récupéré. T'as dit c'est combien ceci là? Le dernier ici c'est combien? Voilà. Donc je vais vous mettre un numéro là. Si la perruque plaît à quelqu'un, elle écrit directement au numéro de Marilyn. Envoyez-nous de son comme ça. Je vous dis les choses que vous ignorez. 6 combien, tata? 6 le numéro? 676. 676. 09. 09. 08. 08. 68. Voilà. Si quelque chose plaît à quelqu'un, elle capture seulement et elle envoie au numéro aussi qui va s'afficher sur l'écran. On va faire notre socor. On va faire notre socor. Donc on va faire notre socor en faisant, en balançant les. En présentant nos perruques. Donc celle-ci coûte 70 000 francs, cette perruque-là. Alors. C'est comme ça maintenant que quand on faisait la dot de Coutelina, on faisait ça à son toque porte, vu que le Congolais était sorti qu'elle était fiancée. Elle était fiancée jusqu'à ce qu'on allait faire le toque porte. Vous vous souvenez, non? Et la taille 10, ma chérie. Si tu veux n'importe quoi, écris au numéro. Nous sommes en promotion. Donc les prix que je vous donne, ce sont les prix promotionnels. Ça, c'est 70 000 le dernier prix. Regardez le volume. Vous me regardez le volume. Donc si un tube vous plaît, capturez ça, vous envoyez au numéro là. Ne nous embrouillez pas dans le socor. Nous sommes en promotion. Ça, c'est 70 000 fois le prix promotionnel. Voilà. Donc, pompez les cœurs, mes bébés. Maintenant, quand le petit frère de Coutelina avait donc posté la vidéo, comment on était venu faire le toque porte de Coutelina. C'est comme ça maintenant que la vidéo est partie partout sur Snapchat. Hein? Partout sur les statuts WhatsApp. Déjà, les gens ont commencé à publier. Bon, merci les cœurs pendant que je parle. Vous voyez un peu dans mes socoyeuses. Alors, quand ça s'est passé comme ça, comment le gars de Couté? Le gars de Couté n'est pas encore payé la période là. Quand le gars de Couté est venu maintenant. On a vu le gars, vous avez vu comment sa photo s'est baladée partout sur les réseaux sociaux. On a vu comment faire pour envoyer les cœurs. Pompe seulement là-bas où tu vas. Prends ton téléphone, tu regardes maman. Oui. Oui, Viviane. Vous avez vu comment on a pris maintenant, on a pris le gars de Coutelina. On a les derniers sang, a pris aussi son gars. Alors aussi, comme le gars est allé pour s'amuser chez Daniel Sang, comme les boss sont entre eux là. Maintenant, sa photo se retrouve aussi partout sur Facebook. On a aussi vu le gars de Coutelina. Les gens sont allés fouiller. Jusqu'à la fin maintenant, on a dit que le gars vient des États-Unis d'Amérique. On a dit que son gars vivait aux États-Unis d'Amérique. Vous vous souvenez, non? Voilà. Ils se souviennent. Après ça, maintenant, vous avez vu que depuis le problème là, depuis la période là, vous avez vu comment Coutelina est devenue encore. Vous savez que Coutelina dans le game. C'est la fille la plus discrète, non, mes socoyeux. Vous savez que Coutelina, c'est la fille la plus discrète. Vous savez au moins c'est ça, non? Vous savez quand même que Coutelina est très discrète, non, mes socoyeuses. Donc maintenant, comme l'histoire était encore sortie, Coutelina est encore devenue. Arrangez bien ton phone, c'est un peu flou. Qui est le coton-tige ici, là? Le papier ici. Donc, quand l'histoire s'est arrivée comme ça, vous avez vu comment Coutelina est encore devenue plus calme. Plus calme qu'avant. Hein? Vous avez vu ça vous-même, non? Donc, Coutelina est devenue calme. Pourquoi? Parce qu'on a mis son gars sur les réseaux. Attendez un peu, je suis le West là. On est à 611. Si. J'incline. J'enlève les boucles et je laisse. Je suis en train de suer un peu mes bébés. Je suis un peu légèrement. Oui, normalement. Merci, Jacques Njomo. Oui, tata. Non, mais socoyeuse. C'est comme ça, je vais vous donner un socor.
Je ne veux pas que ce qui va me distraire. Tel que Shakir au 2. Tu es là-bas comme la moisissure. Salade. Oui. Donc, vous-même, vous savez que mamie Soko, c'est une reine ce soir. Pendant qu'elle vous Soko vise le Soko, je dois embellir ses cheveux. Donc, merci Myriam, merci. Merci Kelly Fautim. Waouh, c'est très clair maintenant. Ah, merci, mais venez pas moi nettoyer la caméra. Myriam, merci. Donc, vous avez remarqué que depuis la période là, vous savez d'abord que un d'abord, vous savez d'abord que Kounoko Koudeli d'abord. Koudeli dans la frontale, vous savez d'abord que c'est la fille la plus calme du showbiz, non? Elle fait toutes ces choses. Avant d'abord son socon, ne venez pas nous retrouver sur la toile, mes chéris. Est-ce que je manque? Donc, Frontana, comme vous voyez, d'abord, elle est d'abord trop discrète. On dit tout qu'elle est sounoise. On dit tout que Koudeli est sounoise. Mais je ne pense pas qu'être calme ou être réservé veut dire que tu es sounoise. Koudeli est une personne de très, très discrète. Très, très discrète, mes chéris. Est-ce qu'avant l'histoire, du snack là, hein, qu'elle ne fait pas ses emplois, est-ce qu'avant ça, vous avez vu son nom sur Facebook? Jamais. Depuis qu'elle a eu les problèmes avec Marc Pomme, vous n'avez pas les queues pendant que je parle. Non, mais ça, ce qu'on a, on voit les queues pendant que je parle. Donc, depuis le temps qu'elle avait vu ses bébés comme ça, elle avait Marc Pomme là. Depuis, on se fâche pas, ce dimanche, je ne me fâche pas, mes chéris. Depuis, la personne n'a plus jamais senti le Koudeli dans une histoire ou que. Après, elle allait faire ses amitiés Mbrakatala avec un robot. Vous savez qu'après qu'elle se séparait Marc Pomme, elle est partie faire ses amitiés Mbrakatala avec un robot. Après, les amitiés sont finies que gnoc. Parce que depuis, on ne les voit même plus ensemble. Depuis, on ne voit même plus Koudeli dans un robot ensemble. C'est comme si ça était là-bas, hein? Comme dans le showbiz. Les amitiés Mbrakatala de 2 jours, vous savez tout comment on fait. On dit que. On est ensemble comme ça. Après, un peu, on voit comment. Après, on voit comment c'est à gâter. Donc, c'est comme si entre les deux, c'est encore Hammam d'abord depuis. Maintenant, Koudeli est devenue trop calme. Je veux vous dire pourquoi j'ai bipé les deux filles-là. Je veux vous dire pourquoi j'ai bipé tous ces filles-là, mes soeurs. Vous allez me donner raison. Ça, c'est combien? C'est combien? La perruque, là. C'est 140. Le dernier prix. Oui, oui. Voilà, mes soeurs. On dit que, le dernier prix, c'est 140 000. Elle est bien longue. Elle est bien longue, elle est bien touffue. 140 000. Si, pendant que je fais le soeur, si une perruque vous intéresse, vous capturez seulement, vous envoyez au numéro ci-là. Vous voyez, merci Larissa, la douce. Si une perruque vous plaît pendant mon direct, capturez seulement, vous envoyez au numéro 6. Nous sommes situés à Camtel Makep, à côté de DHL. Nous sommes en train de faire des promotions présentement. Aujourd'hui, j'étais à la caisse. C'était les jours. J'ai trouvé des gars, je commande. Tu es où depuis, même d'abord, parce que tu es des gars. Tu es où depuis? Hein? Et je suis depuis le Congo. Merci, ma chérie. Donc, ma chérie. Mais, maintenant, vous savez que. Je n'étais pas en train de dire quoi. Après, la médecine, c'est Ramam, on va écouter. On ne voit plus ensemble. La médecine, Ram du côté là. Maintenant, je vais vous dire, regardez, je vous dis pas à pas. Donc, je parle pour chacun comme ça avant qu'après, maintenant, on dit toutes ces filles chouines. Jessie, je te bannis de ma page. Tu n'es pas obligé de m'insulter quand tu me portes critique. Je vais te bannir, Jessie. Voilà, je te bannis, je te bloque, mais je te bannis. Tu vas aller à l'Orbesou avec ton comportement des quartiers là. Tu insultes une princesse comme ça en plein live. Que la perruque la ressemble au Soko. Donc, pendant qu'elle fait mon Soko, ça, t'as Marilyn Mambéli. Voilà. Donc, ça descend combien, t'as 140 000. Donc, cette perruque, vous la trouverez comme ça, ici, à 140 000, parce que nous sommes en promotion. Laisse d'abord le message. Mon très belle perruque, merci. Voilà, donc, voilà, pour décembre, vous pouvez acheter cette perruque. Attends. Elle est d'abord volumineuse, regardez vous-même. Ouais, la perruque là est très bonne. 140 000. Bien pleine. Ouais, bien fournie. Vous avez elle est sans col. Je vous ai dit qu'ici nous sommes trop fortes sur les perruques sans col et les colorations. Voilà. Donc comme vous voyez là, je n'ai pas, on a juste posé comme ça, je n'ai pas collé. Elle a mis ça devant vous. J'ai d'abord cherché ça devant vous, non. Mais ce qu'on on continue en donnant les prix. Si une perruque plaît à quelqu'un, elle capture seulement, elle envoie à ce numéro. Alors. Maintenant, maintenant que je parle, je quitte la suite pour Koudelina. Hein. Koudelina est devenue trop discrète. On ne sent plus Koudelina. On ne la sent plus. Je vous dis pourquoi est-ce qu'on ne la sent plus. Hein? Je vous dis pourquoi est-ce qu'on ne la sent plus. Maintenant, j'ai encore tagué qui? J'ai tagué Nabila. Envoie d'abord les cœurs
cœur pour Nabila. Envoyez d'abord ses cœurs. Pardon, quand je suis en direct, si. Si je dirais sinon mes chéris, si je prononce le nom de quelqu'un qui était vraiment prononcé sur la page ici, vous envoyez d'abord ses cœurs, vous pompez d'abord ses cœurs. Donc envoyez d'abord les cœurs pour Nabila, la même celle-là qui est en France. Hein? Chloé Manga, je te bloque, je te bannis. Je ne veux pas les mauvais commentaires ici. Je bannis. Je ne suis pas la quête des abonnés. Vous savez très bien que je ne suis pas très respectueuse, Léa. Bravo, merci ma chérie. Vous savez qu'ici sur la page, je ne suis pas la quête des abonnés. Je ne suis pas un peu de ce genre où je veux les abonnés ou abonnez-vous. Vous savez que je ne suis pas dans ça. Quelle langue c'est mon socor? Je fais mon socor. Oh Christelle, merci pour mes 100 étoiles. Quelle langue c'est mon socor? Je fais mon socor et je sors sur ça. Les commentaires haineux là, je ne suis pas moi sur ça. Vous comprenez maintenant mes chéris? Je ne suis pas moi sur ça. Bien fait. Elle est grossière. Elle vient de ses... Mon frère. Voilà. Non, je vais finir Poupie. J'ai dit comment Poupie est trop discrète maintenant. Poupie est dans son angle. On ne voit plus Coutelina. Si elle poste un message sur le message par rapport... concernant les entreprises avec ses partenaires avec qui elle a signé. On ne la sent carrément plus. Vous comprenez, mes chéris? On ne la sent plus, merci Franck. On ne la sent carrément, mais je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on ne la sent plus. Mais je donne d'abord le socle de tout le monde avant qu'à la fin, maintenant, il dit pourquoi est-ce qu'on ne sent plus chacun. Vous voyez un peu, non? On va devoir prendre pour Nabila. Nabila, maintenant regarde ce Nabila d'abord, quand elle était ici au Cameroun avant de se marier, elle avait un moustique charismatique, elle montait, on descendait, on la voyait sur tous les tabloïds, elle faisait aussi la une sur les réseaux sociaux. Vous faites un peu non, vous voyez un peu non. Mais depuis qu'elle s'est mariée, Nabila aussi s'est mariée d'abord, après de respirer même plus sur Snap. Un peu mon mari, merci Christelle, Cristaline, un peu mon mari, gnor. Un peu mon mari, oh, mon mari a bu l'eau, mon mari est parti pisser, oh, mon mari gnoc. Ça c'est Nabila, hein? Ça c'est Nabila, hein? Depuis que Nabila s'est mariée, mais socoyeuse. À part ce snap là qu'elle vient poster son quotidien avec son mari et son fils, vous la voyez dans un socor? Est-ce que vous voyez encore Nabila dans un socor? Est-ce que vous, elle n'est pas dans les buzz à deux balles là, elle même fait ses petits buzz là-bas sur snap. Parce qu'elle parle de son mari, elle parle de son enfant, elle parle de son vécu, elle parle de ses journées. Vous voyez un peu, non? Elle est calme aussi là-bas dans son milieu. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'elle tague toutes ses filles. Vous comprenez, mes chéris? Voilà pour Nabila. Tu sens que Nabila, c'est mon mari aussi. Elle a épousé son type là. Elle a épousé son homme là où c'est Paillesse qui gnore. Elle a épousé, tu sens qu'ils ne sont même pas trop riches. Quand tu vois Nabila avec son gars, le métis sous le blanc là. Vous voyez que Nabila, on sent qu'elle n'est pas. Donc, ils ne sont pas riches, waouh! Mais on voit quand même qu'elle est là, elle est dans son ménage, elle est heureuse avec sa petite famille. Vous voyez, mais non, parce que quand je vois tous ces ouais sur Snap là, je vois tout est Snap un peu les petits angles. On sent qu'elle est dans une petite maison, mais très bien entretenue. Elle est bien propre, il y a l'amour entre son mari et elle. Elle est heureuse! Parce que, mais ce que j'arrive. Parce que les influenceuses braquettes du pays, si vraiment je ne comprends plus rien, que Payon va dire que toi-même, je m'en fous. Vous comprenez un peu, non? Parce que les influenceuses du Cameroun, si ça veut vous faire genre, peut-être, oh, elles n'ont pas envie de se marier. Vous mentez. Ça, c'est 140 000. Mais socoyeuse, les influenceuses qui veulent nous faire genre, le mariage ne les intéresse pas, le mariage n'est pas une femme en soi, là. C'est le mbrakata. Je vais vous expliquer. C'est le mbrakata. Attendez, porte d'abord la perruque ici là. Voilà. Attendez, porte. Je pince bien ma perruque, je vous explique. Vous allez voir que mamie Soko a toujours raison. Si le pays vous plaît. Vous capturez, vous envoyez sur le numéro sur là. Voilà le numéro de Marilyn Restil. Si je poste une perruque qui vous plaît, vous partez. Pendant que ma chérie prend soin de moi, ma patronne, ma grande soeur d'amour, gnorgnor, pendant qu'elle prend soin de moi, je vais pas faire mon sang. Vous riez de quoi? Oh là là. Voilà les couleurs. Regardez d'abord la coloration. C'est pas le quartier. Nouvelle collection. Voilà. Pour les fêtes de Noël. Donc, on fait le soco en faisant nos placements de produits. Il faut plus que je vais vous mentir qu'il y a le soco. Peut-être que je n'ai rien dit. Vous voyez, non, mais soco, c'est énervant. Donc, vous-même, vous avez vu comment, depuis que Nabila s'est mariée aussi là-bas,
Elle est calme avec son mari là-bas. On sent qu'ils n'ont pas trop les dos. Mais les vidéos, ils sont heureux, c'est le plus important parce que les artistes Mbrakata du pays, ils veulent toujours nous montrer que le mariage n'est pas important dans la vie d'une femme. Oh, quand une fille signe à son contrat, peut-être elle n'a plus besoin d'un homme. Mes copines, les filles en manquent. Vous comprenez un peu, non? Il dit les Mbrakata là. Vous savez que ce qu'il dit est vrai, non, mais chocoyeuse. Il n'y a pas une fille qui a plus de 35 ans. Il n'y a pas une fille. Je ne veux pas voir une fille, surtout en Afrique, nous ne sommes pas chez le blanc ici là. Je ne veux pas voir une fille qui a plus de 35 ans qui va dire que oh, un homme ne la sert à rien. Un manque. Vous comprenez un peu, non? Ça, c'est combien de temps, Marion? Bon, le dernier prix. Ouais, ici, c'est 200 000. Bon, on va laisser à 160 000. Ok, le dernier prix, c'est spécial 100, Noël. 160 000 spécial Noël. Si ça te plaît, tu captures, tu envoies au numéro 6. Elle est bien longue. Ouais, mais Socor, je n'ai rien plus. Laissez-vous dans le Socor. Je vous dis, la perruque, je voulais dire. Oui, c'est 160 000 le dernier prix. Voilà, tu captures, tu envoies au numéro là. La collation là, c'est la guerre. Merci, mes chéris. Création unique au Cameroun. Merci. Avec ce genre de. Chacun au deux. Donc, mes socoyeuses, je suis Chak Diamond 2. Vous allez aller récemment à Shakiro. Il va leur faire comment? Il va refuser, maman. Sur Facebook, on refuse quelque chose. Ça dit que tu acceptes aussi. Tu vas discuter jusqu'à quand? Quand je suis Lélé. Je suis Lélé. Le tsunami risque de pas mourir. Maintenant, je suis Lélé. Donc, si on refuse qu'on fait le Lélé sur moi, ça veut dire que je suis Lélé. Hein? Est-ce que je vous avais dit que j'avais accepté sur le canapé rouge? Je vous avais dit que j'avais refusé, qu'on avait dit que laisse-toi aller, non? Pourquoi maintenant vous dites que je suis Lélé? Donc on m'a proposé, oui j'ai refusé, maintenant ça veut dire que je suis Lélé. Je ne suis pas mal Lélé, laissez-moi. Maintenant dès que vous aussi parlé quelque part, on dit que laisse-toi, tu es Lélé. Je ne suis pas mal Lélé, laissez-moi tranquille. Ça m'énerve, hein? Heureusement que mon père m'a bien ça parce que Lélé me dit. C'est bon quoi ça? Hein? Donc depuis une proposition indécente, je refuse maintenant. Vous dites maintenant que je suis Lélé. Hein, ma? Ça va? Je vous donne les mains, les socos. Je vous donne les mains. Tata, pardon, je vous laisse sur moi. Je suis en train de bloquer les mains. Je ne supporte pas plus quand tu as vu que ça marche à Kiro. Donc, avec ça, tu es un bengiste, un tout. Si les bengistes me vaut même d'abord, on dit qu'ils me vaut ou me valent. On dit qu'ils me vaut ou me valent. Elles me valent d'abord. Vous pensez qu'un bengiste, c'est quoi? Moi, j'ai vu mon bengiste sur place. Hein? Donc, je me suis assise là, bengiste, c'est quoi à l'air ici là? Hein? Mbengisi, c'est quoi aller si pendant que je vous parle? Mbengisi, c'est pas le nom là que Mbengisi. Sinon, je chope bio sur place. Je passe au photo et mange le poulet grillé. Je passe dans le moto, Yabaki. Je danse, je bois le ruina blanc. Hein? Il va encore envier pour genre de Mbeng. Voilà. On n'a vu rien. On a tout au mot. On a tout sur place. Voilà. Donc, si notre perruque, si là, elle coûte 160 000, comme on a dit, si ça vous intéresse, vous pouvez vous envoyer ici au numéro qui est sur l'écran là. Voilà. En même temps, je tiens à vous dire que Marilyn offre les formations en montage de perruques et en coloration de luxe, comme vous pouvez voir sur Léa. Nous avons plus de 240 colorations que nous avons créées. Tu es belle. Montre-toi, tu es belle. Nous-mêmes. Okay. Tu es belle. Et ça, pourquoi elle aime se cacher? Bonsoir, bonsoir mes amours, bonsoir mes chéris. Oh, j'ai juste. Pas les vidéos faites dans vos socos. Pas qu'elles soient fâchées. J'ai juste une minute avec vous. Parce que Mamie Soko a beaucoup de Soko à vous dire là. Je suis en arrière-plan. C'est moi qui rends Mamie Soko toujours au top, comme vous avez l'habitude de voir. Ouais. Alors, je m'appelle Dora, la tuneuse internationale. Je viens du Canada. Avec les techniques américaines, les colorations américaines pour venir vous charmer. Nous avons comme ça. Elle, là, c'est une perruque unique. La coloration est unique. La personne qui l'achète ne va pas voir la même couleur dehors. Parce que c'est un jeu de couleurs inspiré. Pendant que je travaillais, c'est venu du don de Dieu. Ça m'a inspiré et j'ai sorti la couleur comme ça. Alors, pour tous ceux qui vous donnent cette couleur, apportez vos perruques. Toutes les perruques que vous avez à la maison, vous peut-être vous dites que oh, j'ai déjà trop porté, ça ne me plaît plus. Venez, nous allons changer de style. Vous allez les aimer davantage. Venez avec, nous allons les relooker. Nous allons vous aider aussi, surtout, à porter sans col. Parce que c'est notre particularité. Vous allez voir des perruques frontales que la Mamie Soko va porter tout à l'heure. Elles seront sans col. Nous luttons contre la colle parce que la colle. Elle fait les perruques lisses aussi, oui. Oui, la colle vous donne les mon vieux. La formation, c'est combien? La formation, ça dépend du module que vous allez prendre, montage, coloration.
et nous commençons la formation le 1er février. C'est le moment de vous inscrire. Le 2 janvier, parce qu'il y aura acheté tous les mois, le mois de janvier, le mois de février. Donc, tous ceux qui vont vouloir se former en janvier, c'est maintenant que vous allez vous inscrire. Tous ceux qui voudront vous pour le mois de février, c'est aussi maintenant que vous pouvez vous inscrire pour garantir vos places. Il y a un nombre de places limitées parce que plus vous êtes nombreux, plus je ne peux pas vous suivre parfaitement. C'est bon, c'est le plus important. Voilà. Elles vont fuir. Donc, même pas qu'elles fuient, elles vont menacer. Oui. Le plus important, quoi. En fait, en bref, voilà les perruques chez Mamie Sonko. Nous sommes numéro 1 en coloration. Nous sommes numéro 1 en finition. Nous avons prouvé depuis le Canada. Alors, apportez vos perruques. Le looking, c'est moins cher. 10 000, vous avez une nouvelle perruque à vos yeux, là. Maintenant, continuez le Sonko. Enjoyez. Bon appétit sur le Sonko. Le rifle. Mais Sokoyes, voilà, nous sommes situés à Camtel Makepe, oui. À côté de DHL. Voilà, ça c'est 160 000, donc je peux déjà l'enlever pour que Tata Marie me place d'autres. Oui. Vous savez que depuis que je travaille avec elle, elle me fiait les perruques, c'est versé chez moi. Les seuls puisque je veux faire, dès que je boude, il vient prendre une perruque, Donc voilà, on continue. Voilà, mais Sokoyes, on dit à Sunabila, non, que parle en anglais, why? I don't speak English, mais I try. I speak small. Voilà. Donc, maintenant, on était sur les stands Brakata. Voilà. Il dit que les stands Brakata aiment rester comme ça. Ils disent que le mariage de base, c'est 160 000. Voilà le numéro, vous copiez, vous envoyez à ce numéro-là. Elles aiment rester comme ça. Elles nous disent que le mariage n'est pas une fin en soi. Elles sont bien dans leur célibat. Elles manquent d'eux. Mais ce que je dis, elles manquent d'eux. Il n'y a pas une fille qui n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. Quand il dit un homme, je ne parle pas du show, je ne parle pas du copain, je ne parle pas du gigolo. Hein? Moi, c'est le gigolo, à un moment donné, chaque femme a besoin d'un homme dans sa vie auprès d'elle. Surtout quand je suis folle, il y a la trentaine là, quand j'ai 35 ans, c'est une bande là comme ça que je descends seulement vers la quarantaine. Et après 35 ans, je n'ai pas un homme stable dans ta vie où tu as fait 5 ans ou 2 ans, ou moi, il y a un an. Maman, c'est que tu es que son chat. Vous comprenez pas, non? C'est que tu es souvent son chat. Dans les influenceuses, je souvent un peu dit que, parce que quand elles posent des questions, font genre, le mariage n'est pas une fin en soi. Elles manquent d'eux. Les filles ont pleuré derrière les hommes jusqu'à. Pour que les hommes viennent demander un mariage. Les gars disent aussi gangang que non. Ils ne veulent pas épouser les influenceuses. Ils ne veulent pas les influenceuses, gnangang. Vous comprenez un peu, non? Ils disent qu'ils ne veulent pas les influenceuses dans leur vie. Parce que. Quand ils sont avec, comme les gars aiment trop convoiter les influenceuses, on sait qu'on drague trop les influenceuses. On connaît qu'on drague trop les influenceuses. Les grosses têtes de la République, les gros commerçants, les hommes d'affaires. Dès que quelqu'un vient, ignore. Après, il ne fuit pas. L'homme d'affaires vient, il prend, ignore. Après, il ne fuit pas. Chacun vient, ignore comme ça, il ne fuit pas. Après, maintenant, quand on vient donner 1 million, 2 millions, tu dis que, ah, Parce qu'à l'instant où on te donne les 2 millions, tu es sûr que non, ça va seulement continuer. Hein? On va tout te donner les 2 millions jusqu'à ce que à la fin de ta vie. Maman, quand il vient, il te demande d'abord 2 millions. Il paye ta maman encore 7 mois. Il revient l'année prochaine encore. Pour qu'il ait encore l'autre 1 million, il était 1 million jusqu'à ta bienvenue. Vous voyez un peu, non? Maintenant, vous voyez, au départ, c'est bien, au départ, c'est sucré, mes chéris. On ne passe pas sucré, c'est prendre la tête, genre les petits voyages un peu à Dubaï, les petits voyages par-ci, les petits voyages par-là. Maman, tu voyages jusqu'à. Parce que souvent les filles, comme ça, en battant, elles partent seulement vendre comme ça le piment. Arriver maintenant avec certaines personnes, maintenant le sentiment s'installe. Maman, tu vas vendre le piment parce que tu commences à aimer quelqu'un. Tu vas vendre le piment parce que tu commences à yabo. Oh yabo, la qualité, là, ça, tu passes seulement, tu as une mission, maman. Mais elles partent comme ça jusqu'à ce que. Là-bas, maintenant, qu'on sent le sentiment maintenant ancré sur ça. C'est où maintenant elle voit le vrai visage du monsieur. Vous comprenez, non? C'est où maintenant là-bas, comme ça, elle voit le vrai visage du monsieur. Quand le sentiment s'installe, le monsieur dit que non. Béon, là, tu sais que je suis mariée. Il te dit même pas qu'il a. Il te dit, au début, il te dit parce qu'il a une femme ou il a une goé. Mais tu sens le français, genre, non, mais attends, je suis un homme, je suis fiancé, moi. J'ai une femme dans ma vie, tu vois. Je la mets de mes enfants, gnon. Pourtant, au départ, il ne t'a pas dit. Il t'a fait voyager. Il t'a ignoré partout, à l'air libre, dans l'eau, à côté de la pirogue, hein?
au poulailler même. On t'a dit partout, partout. La femme, maintenant, quand le sentiment commence à s'installer, il te dit maintenant qu'il a une femme dans sa vie. Maman, on ne pourrait pas te dire ça. On ne pourrait pas te dire. Ça, c'est la méchanceté. Les hommes d'Afrique, vous êtes méchants. Ils ont leur dose influenceuse jusqu'à jusqu'à. Qu'ils commencent à mettre le cœur. Les gars ne sont plus là. Ils prennent la clé des champs. Ok, quand l'homme d'Afrique parle maintenant, elle se rabat maintenant sur la grosse tête maintenant. Qui, les gens là qui portent les vestes pour aller travailler dans les ministères là. Ok. Hein? Quand mon gars est tang tang tang, mon gars tang tang tang, gnor gnor gnor. Voilà l'homme d'Afrique. Voilà maintenant celui qui met les vestes là aussi. Hein? Ils ne touchent pas les gros salaires, mais ils ont les opportunités, ils ont les ouvertures pour se faire de l'argent. Lui, voilà aussi, maintenant, dès que tu rentres en gamme, lui dit, ok, bébé, je t'envoie à Dubaï faire 2 semaines, tu vois. Tu vas aller sur le yacht. Tu vas aller sur le yacht, gnagnon. Vous partez sur le yacht. Il sait qu'on paye comme ça pour qu'il t'ignore, c'est difficile. Il sait maintenant qu'en t'amenant à Dubaï, c'est qu'il est à Dubaï, vous allez ignorer. Le voilà maintenant qui t'amène à Dubaï, sur le yacht. Vous savez là-bas que là-bas, on n'a pas le temps des gens. C'est pas comme ils sont au Cameroun où tu parles à une fille, on sent les gros yeux qu'on sent de regarder là. Tu passes le yacht. Vous, le yacht. Je suis là, je suis sur le yacht, mais je connais le yacht, j'ai vu le yacht à la télé. Vous montez sur le yacht comme ça là, vous arrêtez comme ça, il va faire comme des choses de Titanic, gnoc, vous restez comme ça là. Il fait les plans, il t'ignore pendant que je te mets comme ça là. Il dit que c'est le fantasme. Quand vous êtes bien comme ça là, c'est des choses comme ça qui vont solidifier votre relation. Maman, je ne suis pas jamais passé là-bas, je suis jamais rentré dans le yacht. Il dit c'est la chose qu'on vient me donner. Le socle, quand il me donne derrière, sur le socle, quand il me donne. Quel mec se met sur le yacht comme ça là. Il se met pas derrière, il fait comme Titanic, il a pris ses signes, il dort ses signes, il dort ses signes. Vous finissez l'envoi, il fait. Vous comprenez un peu, non? Après maintenant, il dit que c'est le fantasme. Maman, après maintenant, quand vous rentrez du voyage maintenant, il te donne maintenant même 700 cas, ou encore 1 million. 2 semaines, 3 semaines, tu appelles, il ne te croche plus. Tu appelles, il ne te croche plus. Elle court maintenant, elle part encore derrière les commerçants. C'est un importateur de chaussures, c'est un importateur gnorgnon. Tu pars encore là-bas aussi, il te promet encore un voyage à la Côte d'Ivoire. Quand on essaie de te soufiter. Oh, je sais, t'es gnor, tu parles de tes concepts. Il te gnor, maman. Jusqu'à pour finir. Ça, c'est 160 000. Jusqu'à pour finir, mes socoyeuses. Pour finir comme ça, tu te retrouves que tu as ignoré les hommes d'affaires. Tu te retrouves maintenant avec les hommes d'affaires qui t'ont ignoré. Ils t'ont ignoré. Le sida t'a même échappé. Tu as même. Le VIH t'a même échappé. La syphilis t'a même échappé. On ne t'a pas rangé dans la sorcellerie. Tu dis que Dieu est grand. Oh, Dieu est grand, gnor gnor. Vous voyez un peu, non? Tu te retrouves quand tu es dans ma région, pas ici comme ça. Ouais. Tu te retrouves quand ça que tous les hommes de la République et tous les hommes d'un continent t'ont gnor. Vous comprenez un peu, non, mes chéris? Mais là, après, tu commences à réfléchir. Tu avais ton petit gars là. Même pas que ton petit gars. Je vais dire que tu avais un homme dans ta vie pourtant qui t'avait dit que oh, voilà mon petit business que je fais. Mais ce qui est sûr que j'ai à l'ensemble au chantier de ma maison. Mais ne prends pas la voiture, chérie, parce que la voiture pour moi n'est pas une priorité. Une priorité. Où se priorité oh? La voiture pour moi n'est pas une priorité. Tu as dit que oh, tu cherchais les autres avec les gros cylindrés. Quand tu devais rouler, casser le siège. Tu devais rester là-bas comme ça pour voir comment on conduit avec une main. On nordessine. On conduit comme ça, on nordessine avec une main. Tu as dit ce genre d'homme là que tu voulais que ce soit fantasme gnon gnon. Voilà ce qui conduit. La main ici là. La main est dans tes fesses. Tu dis que oh, c'est la belle vie. La belle vie de quoi? La belle vie de quoi? Que l'homme conduit notre signe, c'est lui qui va te signer, il ne respecte pas. Hein, mais son voyage. Je ne peux pas dire que pendant que ton conduit, il a pu baisser avec lui-même. Tu as pu baisser avec lui-même. Mais s'ils sont devenus des grues de poivre, hein? Mais son voyage doit répondre. Mais s'ils sont devenus des grues de poivre, quand tu conduis, tu as pu baisser avec lui-même. Donc tu ne donnes pas l'importance de la valeur, mais c'est maman. Si c'est pas que tu vas garer quelque part, on rentre à la maison, tu as pu bien avec deux mains. Que tu vas aller faire non avec, c'est quoi? Ah, encore, c'est comme c'est forcé, maman. C'est comme quoi, hein? Tout ça pour venir vivre la vie du paraître sur Facebook. Pour dire comment on vit bien. Vous êtes trop malheureuses. Les gars sont très, très malheureuses. Je vous dis la vérité. Elles sont très, très malheureuses. Elles sont malheureuses. Maintenant, comme elles étaient en train de dire, elles se retrouvent pour ça qu'elles ont ignoré avec tous les hommes de la terre. Personne ne les a même demandé un mariage. Mais elles disent, vous manquez sur les réseaux que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est le mensonge, mais chaque femme a appelé à se marier, chaque femme doit se marier. Même si c'est un pousseur, à un moment donné, tu as besoin d'un pousseur dans ta vie. Vous comprenez maintenant, hein? À un moment donné, maintenant, quand tu restes, tu réfléchis, tu vois que tu vois tous ceux qui t'ont gnor, maman. Personne ne t'a même demandé un mariage. Personne ne sait même jamais à genoux comme ça là pour faire le un genou debout, un genou couché. Pour dire que veux-tu gnor, c'est où tu comprends que tu ne sais à rien.
Tu commences pas à passer tout le temps à tes tuyaux, c'est pour ça c'est combien de temps? Dernier prix. Là c'est 120 000. Le dernier prix? Oui. Ça c'est 120 000 le dernier prix. 120 000 le dernier prix. Si ça te plaît, tu captures, tu envoies le numéro que j'ai épinglé en bas. C'est pour ça maintenant qu'après tu te retrouves aussi, on t'ignore. Les autres t'ont dit qu'ils aiment les fantasmes. Ils t'ont pris. Allez, dis qu'ils veulent voir comment deux filles mobent en Orient. On t'a pris qu'on soit des parties. Une fille t'a embrassé ta bouche, même sucer tes oreilles. T'as pas même des seins. Que c'est le fantasme. Tu es parti, ben tu es agent. Ça, c'est 100 combien hein? 120 000, mes chers, quand il parle congolais, 120 000. Aujourd'hui, je vais faire le socor. Je n'étais pas trop là pour vendre. C'est ma tata qui a dit qu'on fait le direct. Et tata, on veut pas nous vendre les pingues aujourd'hui. Je venais vous donner le socor qui est tombé dans mes oreilles. Je parle comme ça qu'en parabole pour que vous compreniez le travail de certaines. Quand il m'a dit de prononcer les noms. Hein? Comprenez ce que j'ai envie de dire. Comprenez bien ce que j'ai envie de dire. Ben, c'est vous qui restez sur les réseaux sociaux, vous voyez comment les gens font les choses. Les gens entreprennent. C'est vous qui êtes pressés. C'est vous qui partez mettre la pression à vos gars du quartier. Vos petits gars du quartier qui vous donnent 10 000 par semaine. Oh chérie, je veux la Carina à 3. Tu veux la Carina à 3 que... Parce que tu allais voir sur les réseaux, tu dis que quelqu'un a acheté la voiture cela. Maintenant tu rentres à plus ton gars au quartier. Tu veux telle voiture, tu veux telle voiture, maman. Sachez que les 5 doigts ne sont pas des mêmes. Et vous ne savez pas comment les gens font pour gagner leur vie. Même moi qui vous parle, vous ne savez pas comment pour gagner ma vie. Parce que c'est vrai que je parle pour les autres. Vous comprenez donc pourquoi on dit après que les lèvres, je t'ai fait en lèvres, j'ai sur Facebook. Moi-même, vous dites-moi la vérité. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire, non, mes chéris. Parce que sur les réseaux aujourd'hui, les gens sont plus concentrés sur les réseaux sociaux qu'à la télévision. La façon dont les jeunes sont. La façon dont les gens sont connectés sur les réseaux sociaux. Même comme la CRTV au Canal 2, il y a pourtant des personnes qui sont connectées pendant qu'on allume la télévision. Mais voilà, le direct, il y a 822 personnes. Quand je vais arrêter le direct, il y aura peut-être 10 000 personnes qui ont regardé le direct. Vous voyez maintenant que tout se fait maintenant sur les réseaux sociaux. Tout maintenant se fait sur Internet. Vous comprenez un peu, non? Et puis ça joue beaucoup sur les jeunes personnes, sur les jeunes enfants qui nous suivent. Ils veulent faire comme nous. On est les miroirs. Elle veut, il veut faire tout comme nous. Pourtant la plupart, regardez les gens. Regardez ce qui se passe dernièrement sur la toile. D'autres qu'on a envoyés en prison, on ne sait pas pourquoi les envoyer. D'autres qu'on a trouvé mort dans les appartements. D'autres filles que peut-être on dit, hé hey! Vous comprenez ce que j'avais dit, non? D'autres qui sont mortes brusquement, elles n'étaient même pas malades. C'est les hommes là. Tu pars, tu ignores avec un homme, tu ne sais même pas ce qu'il fait dans la vie. Mais tu pars quand même ignorer avec lui. Tu ne connais pas ce qu'il retient en toi. J'ai de vous dire ceci là. Quand une fille paye ses couches, lui, pourquoi la neurone lui donne 1 million ou 2 millions le matin? Maman, toi, tu as cette compte de neurone, lui donne 2 millions le matin. Il y a l'eau dans tes fesses. Ce n'est pas les mêmes fesses que j'ai, maman. Comment parler de neurone quand lui donne 3 millions, 4 millions le matin? Il y a l'eau dans tes fesses. Pourquoi les gars n'aiment pas souvent réfléchir? Quand Dieu t'a créé comme ça, il écrase tes fesses, il a écrasé le trou de l'eau comme ça, il a mis l'eau dedans. Hein? Il a mis l'eau dedans pour que quand un gars neurone comme ça, ça sort, ça engage, il va vendre. Il n'y a pas l'eau dans vos fesses. Arrêtez d'aller donner vos corps pour qu'on vous suce. On suce le peu de chance qui vous reste. 140 000 francs. Arrêtez d'aller donner 120 000, pardon. 120 000 francs la perruque, c'est 120 000 francs. Arrêtez d'aller donner vos corps pour qu'on suce, on suce, on suce. Après, maintenant, quand tu restes, ta vie tourne. Tu demandes maintenant un Vincent à un gars, il ne veut pas te demander 100 francs, il ne veut plus te donner. C'est la malchance sur laquelle les hommes sont venus déposer en vous et en nous. Vous comprenez un peu, non? Parce qu'en parlant, c'est la vérité. Nous sommes les dépositoires. La femme sont déjà là, les femmes sont les dépositoires. Tu restes comme ça là. Un homme vient se manger, tu écartes, il entre dedans, tu écartes, il entre. L'homme d'affaires, il entre. Les journalistes viennent, ils entrent. Les commerçants viennent, ils entrent. Même ceux qui font le bambé, ils entrent. Donc, ce qu'on laisse en toi là, on dépose. Après, sa femme se fait appel au rejet. C'est écarté, on a mis ici, mettre là-bas, bien qu'on fait une femme. Ça te donne ce qu'on appelle le rejet. Et niveau de ta vie maintenant, tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu commences à chercher par souffaut. Tu commences à dire, Léa, demande le monde de ton père. Demande le monde de ton père. J'ai besoin d'un lavage spirituel. Demande le monde de par souffaut, gnorgnor. Par souffaut, t'as envoyé écarté partout pour venir prendre son niveau pour le lavage spirituel. Hein? Hein? Par souffaut, souffre. Il y a le rejet. Le rejet. C'est le fait que tu couches avec plusieurs hommes, les hommes qui sont compliqués. Ils viennent maintenant, ils laissent la malchance en toi. On prend tes chances, on parle que c'est la malchance. Hein? Maintenant qu'un homme te regarde, tu le dégoûtes seulement. Un homme te regarde seulement, tu le dégoûtes. Tu le dégoûtes, tu le dégoûtes. Maintenant, il y a une autre perruque. Tu le dégoûtes. Tu dis bon, tu parles, tu sens quand tu mets le parfum. Tu parles à ton gars, c'est quand tu sentais seulement. Il ne veut pas te voir près de lui. Tu parles, tu prépares un riz sur ce tomate comme ça avec le poulet du village. Il voit seulement le poulet du village comme le poison que tu lui donnes. C'est le rejet. C'est ce qu'on appelle le rejet. C'est
ces choses que des mauvaises personnes mettent en nous. Vous comprenez un peu, non? Donc, ce que je suis en train de vous dire, nous sommes situés à Camden Makepe. Oui, tu es une victime. Est-ce que je parle parce que je suis une victime? Moi aussi, tu ne vois pas moi ici mes contrats. Je suis citoyen de Marine, c'est un contrat, elle me paye bien cher pour ça. Hein? Monter une chaîne comme ça, c'est miracle cosmétique. Elle me paye, c'est les millions. Tap Tap 7 me paye les millions. Mary Surprise me paye, c'est les millions. Ma vie n'est pas un rejet. Je ne crois pas ce qu'on appelle le rejet. Hein? J'ai un homme dans ma vie, j'ai un enfant qui a 13 ans. Vous pensez toujours que être heureuse ou avoir une situation stable, c'est avoir le milliard? Hein? Vous pensez parce que il y a les égarés sur la caisse là. Il y a les égarés comme je disais là. Ça c'est encore une autre, c'est la même. C'est une nouvelle. Vous avez, je vais vous dire quelque chose. La présidentielle. La présidentielle, ça c'est combien de temps? Je vais donner le prix à elle. Mais bébé, je vais vous dire quelque chose. Hein. Parce que vous êtes tous sur Facebook. Vous êtes les mboutes. Les mboutes girls et les mboutes man sur Facebook ici là. Parce que pour vous, vous pensez qu'avoir, j'ai pris exemple sur Nabila. Avoir une vie stable. Ou avoir une vie stable ne veut pas dire que tu as le milliard. Vous comprenez? Et je vous ai tout dit que le vrai agent ne fait pas le bruit. Le vrai agent ne fait pas le bruit. Regardez Mark Zuckerberg et sa femme. Ils sont tous là dans les rues en sans confiance, en démembrés, hein, des vêtements bizarres là. Mais on vous parle des milliardaires, les milliardaires en euros. Vous pensez que le vrai agent fait le bruit? Le vrai agent ne fait pas le bruit. Les gens là qui vont venir vous verser sur les réseaux vous disent que voici qui part acheter la voiture. Mais voici qui part comme ça. Elle se fume dans les avions. Ce n'est pas l'argent là-bas, c'est les miettes. Ce n'est pas de l'argent. Les vrais filles qui ont l'argent, qui voyagent même, ne font pas le boucan. Vous comprenez un peu, non? Elles font les choses en soum-soum, en soum-soum. Vous comprenez? Je t'ai dit, voici moi la dame, c'est une Canadienne. C'est une Canadienne. Son mari est riche comme un aliéné. Là, voici, elle vend ses perruques. Donc, elle ne peut pas se concentrer sur les dos de son mari comme ça pour dire que mon mari est riche, je ne dois plus rien faire. Mais elle se bat au fait qu'elle fait ses perruques, elle monte ses perruques. C'est sa technique qu'elle a appris à elle. Donc, quand je parle, je dis que toi-même, tu étais riche, victime avec quoi? Je suis en train de vous donner un conseil. Je vous dis que les hommes d'affaires, je ne vous ai pas dit vous, parce que moi-même, je suis une femme. Moi-même, j'ai eu à sortir avec les hommes. Quand elle dit vous, nous, en général, la femme, elle dit que la femme était un dépositoire. Quand on parle comme ça, on y est avec les hommes là. Les hommes juste sont trop compliqués. Hein? Il y a même les gays dedans, il y a tout genre. Les sorciers, les serpents, tu vois aussi, tu connais que quoi? Il y a c'était même que c'est Dieu qui protège. Même aujourd'hui, si je suis en vie, c'est pas parce que je suis trop forte. Il y a la main de Dieu dedans. Hein? Même toi qui me regardes. Aujourd'hui, si tu es en vie, c'est pas parce que peut-être tu es trop forte ou parce que ta famille est trop forte ou parce que ton marabout est trop fort. Il y a la main de Dieu. Parce que Dieu a dit que ce n'était pas ton temps. Dieu a dit que je ne devais pas mourir entre les mains d'un homme. Dieu a dit que tu devais mourir le jour qu'il avait décidé. Vous comprenez? C'est la grâce de Dieu qui inonde des fois dans nos vies. Vous comprenez ce que je viens de dire, non? Alors, ne dites pas trop que oh, gnoc, gnoc, oh, gnoc, gnoc. Ben, quand vous parlez, vous voulez insulter, que vous pouvez m'insulter. Hein? Vous pouvez m'insulter. Quand vous donnez les conseils, c'est les insultes. Voilà. Alors, maintenant, vous allez voir, regardez. Envoyez les cœurs. Je pense que vous n'avez plus connecté. Il y a 700 combien, mais je ne vois plus les cœurs. Si vous êtes connecté, vous pompez les cœurs. Oh, l'évangélisateur, je le fais déjà, je transcris déjà. Si vous êtes connecté, non, vous envoyez les cœurs, on continue notre socon. Je vais faire de la conclusion du socon. Vous comprenez ce que je dis, non? Je suis en train de vous parler. Je suis sûr qu'il y en a qui se sentent, qui se voient dans ce que je suis en train de dire. Oui, il y a les gars avec qui tu t'es mis encore, tu t'es mise comme ça là. Vous êtes sorti même un an, même 3 ans. Du jour au lendemain, maintenant, il te dit qu'il ne veut plus de toi. Même 6 mois, il vient les premiers jours comme ça, il ne juge que pas ton nom. Il te donne tout ce que tu veux. Au bout de 3 mois, il ne veut même plus te sentir. Il ne veut, c'est pas toi qui fais. Ce n'est pas toi qui fais. C'est le rejet. C'est ce qu'on appelle le rejet. C'est la malchance que les hommes avaient mis dans toi. Sortez avec les gars aussi qui n'ont rien. Sortez aussi avec. Après, sortez avec un gars aussi qui se bat. Après, ça sortez avec les gars comme ça qui viennent de trouver le boulot. Parce que c'est qui est le moins cher et cher. Et les longs yeux, quand tu as les longs yeux, tu vas voir ce que tu cherches. Parce que je vois comment il y a certains gars comme ça qui disent que c'est une fille, il vient de commencer le boulot. Ah, dis donc, tu as quoi? Il a quoi? Ton gars a quoi? Mon gars a ci, mon gars a ça. Maman, les bons gars sont les jongleurs. Vous êtes tous dit sur les réseaux que les bons gars sont les jongleurs. Les vrais gars là, ce sont les vrais jongleurs là, ce sont les vrais gars. Vous comprenez ce que j'ai dit, non?
Les vrais gars là sont les jongleurs. Un jongleur peut te donner un 20 000, un 50 000, mais c'est constant. Un gars peut se fâcher, ton petit gars conseil il reste dans 50 000 aujourd'hui. Au bout de deux semaines, il doit encore avoir 50 000. Ou il peut se fâcher, il doit 100 000 aujourd'hui, le week-end ça. Le week-end aujourd'hui, il doit encore payer 100 000. Il est plus valable que l'homme là qui vient te donner 3 millions, 4 millions, il disparaît. Vous comprenez? Je vous dis comme ça la vérité. Moi, je préfère un homme qui me donne même 100 000. Ok. Toutes les semaines, il y a que ce constat. Mais c'est 50 000, on ramasse l'argent, maman. Hein? Tu parles long à 3 mois, Miss. Même 2 semaines, le gars te bat. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. C'est le rejet, maman. Hein? Alors, les vrais gars, là, c'est les gens comme ça qui vivent dans 100 000 aujourd'hui. La semaine prochaine, ils vivent dans 100 000. Et tu as un problème comme ça dans ta famille, ils t'assistent. Tu paies ta grand-mère. Bébé, voilà, il faut quoi au deuil? Il faut quoi? Il faut le traiteur? Qu'est-ce qu'il faut? Vous pensez tout que les gars comme ça qui soutiennent l'ego, c'est tout le fait de lui mettre de l'argent, que prends l'argent. Hein? Un gars pour te soutenir comme ça, il peut venir même, il voit ta vie, là, c'est calé comme la clé. Il te dit que, bah, mamie Soko, comme ta vie est calée comme la clé, là, qu'est-ce que tu veux faire? Je peux t'aider comment? Hein? Tu as quel projet? Tu as quel business plan? Vous voyez, parce qu'il y a même les filles aussi qui sont, il y a les tumours dans les têtes. Un gars te demande ton business plan, que tu as quel projet pour ta vie? Tu le iPhone 14 qui vient de sortir, vous êtes bête ou quoi? Hein? Un gars te demande, il peut te soutenir encore, tu as besoin de quoi? Pendant qu'il est encore là, tu dis que tu veux le iPhone 12, tu veux le iPhone 13 Pro Max. Pour aller border, non? Pour aller mettre des fesses envoyées, non? Pour aller mettre des boules de dessin envoyées aux benguistes, non? Sachez que les benguistes là, je suis sûr qu'ils me regardent. Je vous ai fait un témoignage. Tous les benguistes là, ils ont une femme dans leur vie. Vous pouvez voir un benguiste qui a plus de 35 ans, qui n'a pas une gars dans sa vie. Soit il est marié, soit il vit avec une fille, soit il a une titulaire dans sa vie qui est même ici au Cameroun. Vous comprenez maintenant? Parce qu'ils viennent depuis qu'on se décembre, ils vont venir à prier au Seigneur. Non, non, le bout de vos Seigneurs là. Sachez qu'ils ont les femmes là-bas en Europe. Si c'est que tu as accepté qu'on non, parce que toi veux, tu veux qu'on non, c'est bon. Mais si c'est que tu as accepté qu'on non, c'est parce qu'on t'a promis le mariage, puis qu'on va t'épouser. Ils vous mentent. À partir de 35 ans jusqu'à 40 ans, ils ont les mères des enfants même qui vivent. Et ils ont une titulaire, ils sont fiancés. Ils sont mariés, l'autre vient en Allemagne, l'autre vient en Autriche, l'autre vient en Italie, l'autre vient aux États-Unis. Oui, les mères sont tous occupés. Hein? Maintenant, il faut chercher vos gars au pays. C'est pas comme ils sont tous occupés. Il y a quelques rares encore qui ne sont pas encore mariés. Vous comprenez bien, non? Mais cependant, ne visez pas seulement les Mbengis. Si tu trouves ton gars au pays qui a son petit boulot, maman, accepte. Accepte. Vous vous battez ensemble. C'est facile. Vous pensez que les kifourous comme ça avec les Sorepco, hein? Les congénies, vous pensez qu'ils sont les mêmes matins comme ça pour être milliardaires? Il y a les femmes qui les ont soutenus, hein? Ils avaient une femme à leur côté, une femme qui les a supportés dans leur pauvreté et qui les accompagnait dans leur projet. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, elle a dit la sorcellerie. Elle fait la tontine chaque. Oui, elle s'en est pour la tontine chaque semaine. Une fille qui fait la tontine de 200 000 la semaine. 150 000 la semaine, ma chérie. Tu fouilles ce qu'elle en a fait, ne fait même rien de bon dans sa vie. C'est le piment qu'elle vend, non? Est-ce qu'on va encore se cacher pour 10 ans? C'est pas le piment que tu ne travailles rien. Tu fais comment pour y payer 150 000 par semaine? Hein? Tu fais comment pour y payer 150 000 par semaine si tu ne fais rien? Si j'étais un garçon, même, c'est que je dis, je drague une fille. Je viens, je vois que tu ne fais rien dans ta vie. Tu n'as même pas un projet pour ta vie. Je te gnorge pas. Vous comprenez un peu, non? Il dit, si j'étais un garçon, je viens dans la vie d'une fille, je vois que. Elle n'a pas les projets, elle ne fout rien dans sa vie, elle n'a aucun projet, non. Je te gnore bien, je parle. Oui. Parce que vous voyez, on dit, les gars de Mbobi, vous savez quoi, les gars de Mbobi ont l'argent. Vous connaissez comment les gars de Mbobi ont l'argent. Un gars qui dit qu'il y a sa quincaillerie à Mbobi. Tu veux le simplifier? Tu peux comparer un benguiste à un gars, à un quincaillerie de Mbobi. Tu es malade, toi? Hein? Tu ne peux pas comparer un benguiste, même un ingénieur qui touche même 5 000 euros ou même 6 000 euros. Tu ne peux pas le comparer à un gars qui a sa quincaillerie là-bas en Mbopi. Ou même si on s'en fout, parce qu'on a bon amour, tu ne peux pas le comparer. Hein? Ou au camp là-bas, si. Vous voulez tous s'aimer les business de gens, pourquoi? Hein? Vous ne pouvez pas le comparer. Les gars sont très près. Mais les gars qui vendent la quincaillerie seulement dans le pouce là, ne venez pas mal. Vous comprenez un peu, non? Ne venez pas mal, pas simplifier un commerçant. Oui. Donc, les Mbengistes vont souvent venir pour ça, gnognon. Parce que, on a dit que présentement, quand il fait froid à Mbeng. Donc, comme ça, là, ils vont rentrer sur Cameroun, la période, là. Ils vont appuyer vos signes jusqu'à ça devenir comme. Et ça, ça devient comme les babouches.
Vos seins vont souffrir le mois de décembre, c'est là. Vos fesses vont souffrir. Ils vont gagner parfois de 2 euros, 3 euros. Les bracata voyageurs. Hein? Les vrais ministres maintenant qui sont en couple là-bas, il y a un garçon ici là. Les gars là vont maintenant venir ici comme ils vont prendre les congés de deux semaines de trop. Ils vont venir maintenant au pays, rester maintenant avec les beaux, soit les fiancés, soit les titulaires. Après, les gars, ils vont sortir pour aller vous prendre un gnoc, vous fesses. Soyez sages en décembre cela. Soyez sages. Au lieu qu'un ministre vous prend, le 27 grand-mère. Au lieu qu'un ministre vienne gnoc, tes fesses gnoc comme ça, vous allez, il a laissé sa gueule dans l'appartement, mais maman, mais t'as-tu pas vendu des tomates au marché de mon amour, ça dit. Mais t'as-tu pas vendu des tomates, je me l'ai avant de dire ça. Oui, parce que je parle, moi-même, on m'a dit un ministre m'a flatté aussi, m'a dit, après il est parti, j'ai eu mal. Est-ce que je parle seulement que je parle pour les autres? Même moi qui vous parle, je suis une victime. Hein? Il n'y a pas une fille ici au Cameroun qui va. Yeah! Que pense au gars à l'immédiat? Yeah. Dieu te maudisse. Il dit, merde! Le gars qui est venu, tu as mis les poumons. Tu as mis ton cœur. Maintenant, les hommes et les ordres dans la relation qu'on a trouvé, mon gars. Le gars était en mission dans ta vie. Il me laisse pas une yorte, fesse pour partir. Il a sa go, hein. Il finit de gnoc comme ça. Il prend maintenant, il met ça en gars. Il crée un problème. Il prend sa go maintenant, il met sur le profil WhatsApp. Maman, ton cœur gonfle. Tu vas se la nuit coucher comme le porc au lit. Le sommeil ne dit même pas. Le stress peut te tuer. On va lever ça déjà, non. Le stress, c'est le manque. Tu penses à un sorcier, voilà qui est venu de gnoc. Il t'a gnoc comme ça. Il y a certains dédoros là qu'on vend, on ne vend pas 1 euro. On vend 3 euros. Il est venu te dire, tu mets ça sans même pas 2 secondes dans tes cités, gnoc, jusqu'à partir. Tu vas tout rester que j'attends un bengiste. Hein? Il y a un nouveau gars, pourtant, qui est venu, frère. Il t'a dit comme s'il vient de trouver son travail ici, la payette aux brasseries. Il touche peut-être ses 400 000 au mois. Tu l'as simplifié. Ah! Oui, parlez, elle m'a pas aussi sur ça. Hein. Ça, c'est 40 000 la perruque, là. Regardez-vous même. 40 000 francs. Tu as la range. Je t'ai dit. On doit parler à nos soeurs, ma chérie. On doit parler à nos soeurs qui nous suivent. Même s'il faut prendre des exemples sur nous-mêmes. Pour que vous compreniez de quoi est-ce qu'on parle, on doit prendre les exemples sur nous-mêmes. Vous pensez qu'un gars comme ça vient dans la vie. Et on prend l'exemple de qui? Comme les influenceuses, là. Eh, bon, vous prenez l'exemple sur moi. Moi, j'ai un gars dans ma vie. Vous voyez qu'il ne cache pas. On sait qu'il a mis aucun homme dans sa vie. Vous pensez que si un homme vient derrière moi aujourd'hui, qui vient par exemple, il veut être avec moi. Gars, le gars serait heureux. Ce serait un gars heureux parce que, gars, je suis d'abord sur les réseaux. Je vois d'abord ce qui se passe sur les réseaux. Là, c'est 40 000 francs. Hein. Donc, pour celle qui veut, c'est 40 000 francs. Très, très joli. Hein? Ça, c'est combien? Oui. Ça, c'est 65 000 francs. 70 000. Ça, c'est 70 000. Mais c'est curieux. 70 000 aussi. Donc, nous sommes situés à Camden Makepe. Pour ceux qui n'auront pas le temps de commander, là, qui veulent voir avec leurs yeux, venez à Camden Makepe, à côté de DHL. Regardez. Ouais, les cheveux. Ouais, nous expédions. On est expédié en Europe, ma chérie. On expédie partout, maman. C'est la guerre. Regardez les finitions. Regardez, sans col. Hein? Donc, nous pensons pas qu'on parle, toutes les filles qui sont ici au Cameroun, ou au Congo, ou au Mali, même en Côte d'Ivoire, les ministres ont réuni toutes les filles. Il n'y a pas une fille qui va dire un ministre là pas encore traité. Les gars ne sont pas gentils. Mais tu rencontres ton gars ici au pays avant qu'il n'ait pas un bengi. Quand tu trouves les gars là qui sont gros bengi, puis tu ne sais pas par quelle voie ils sont partis, tu imagines que tu es en couple, moi tu es en couple seul. Ils sont tous mariés, ils vivent tous avec les gars, ou ils ont une gars dans leur vie. Vous comprenez peu, donc concentrez-vous sur vos gars qui sont ici aussi. Laissez les gars un peu tranquilles comme ça là. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et la vie est chère. Ils sont avec un gars et avec les enfants. Tout est chez là-bas. Et les factures, les impôts, hein, maman. Il y a tellement de choses. Ils ne peuvent même pas vous donner le million. Pourtant, si tu prends un gars ici au pays, tu le sais bien, tu le respectes bien. Tu es bien soumis. Tu es bien soumise. Oh, même ça arrive là, il monte une dose. Hein? Hein? Tu te soumets bien. Tu le respectes bien, ma chérie. Tu n'es pas dans la vie dehors quand tu te vois partout. Go! Oh, mais Yaoundé, j'arrive. Kribi, j'arrive. Limbe, je suis là. Les gars ont horreur des sujets de femmes. Douala, j'arrive. Qui me reçoit? Yaoundé, qui me reçoit? Je suis là. Les gars,
elle n'aime pas ce genre de femme. Là, c'est 40 000 la perruque, là. Trop vrai, les gars de maison trop malhonnêtes, là-bas. Tu mets le cœur, ils vont... Ouais, ils vont couper ça. Tes perruques sont juste waouh. Merci, ma chérie. Merci. Bon, on va tout vous présenter aujourd'hui, maman. Mm-hmm. Je vais porter la dernière. Et pour vous dire au revoir. Attends, on va finir le socos. On va dire au revoir. Voilà, 40 000, maman. Il faut qu'ils socos prennent ça. Là, c'est 40K. 40 000 francs, regardez. Tu peux même sortir, toi, le 24 pour aller à l'église avec ça. Hein. Ou comme ton gars vient là, tu prends ça, tu le reçois avec, tu fais le dîner. Ou c'est le dîner à la chandelle. À la chandelle, ou c'est quoi. Voilà ça. C'est le complexe. Je t'ai dit. Voilà. Donc, les filles là que vous avez vu, j'ai cité plus haut. J'ai cité Marcel, mes chéris. Non, ça me permet, j'ai cité, non. Regardez vous-même. Vous avez vu comment j'ai cité Marcel. Je vais vous dire pourquoi je les ai cités. Voilà, t'as vu à manger grand-mère. Vous avez vu comment, waouh, j'adore. Vous avez vu comment j'ai cité Marcel. J'ai cité Daphné. J'ai cité Nabila. J'ai cité encore qui même. Ce sont les filles là, elles ont rien compris la vie, hein, mes chéris. Nathalie, quoi? Vous avez vu comment on a dit. La dernière fois, Nathalie, quoi, s'est mariée? Elle s'est mariée, ce n'était pas le buzz. Elle est là, Nathalie, elle s'est mariée. Depuis qu'elle s'est mariée là, elle est enceinte. Vous la voyez encore sur les réseaux. Il y avait quelqu'un qui faisait le. Il y a quelqu'un ici au Cameroun qui me fait le vouement plus que Nathalie, quoi, et Coco Emilia. Vous avez vu même Coco Emilia qui voyageait en jet privé. Nathalie, quoi, et Coco Emilia qui voyageait en jet privé. Elle a quand même cherché à se poser avant qu'elle ne soit pas dosée. Je parle de Coco Emilia. Elle a essayé de se. Elle s'est mariée avant qu'elle ne soit pas marchée comme elle souhaitait. Pour vous dire que quelqu'un, toute femme a besoin d'un homme dans sa vie. Ne suivez plus les gens sur Facebook. Vous dites que. Oh, est-ce que par exemple, Mamie Sokka est mariée? Est-ce que Marc Capone est mariée? Est-ce que. Vous voyez comme ça? Vous voyez comme moi, Mamie Sokka. Vous pouvez voir comme ça, bien que je suis fiancée, comme maman est adoptée, vous ne savez pas. Hein? Vous pouvez voir Marc Capone comme ça, qu'on est adoptée, même vous ne connaissez pas. Hein? Parce que aujourd'hui, tout se fait dans la discrétion. Tout se fait aujourd'hui dans la discrétion absolue. On ne montre plus tous les réseaux. Les vieux envies vous montrent les bling, vous montrent leur voyage et tout. Mais les vrais tu privés maintenant, elles ne vous montrent plus. Et vous pouvez voir Marc comme ça. Quand elle est dotée jusqu'à. On a fini sa dose qui manque personnellement le mariage civil et religieux. Vous comprenez un peu, non? Regardez Poupi. Regardez un peu Marcel Cochet. Je prononce bien. Tata Marie, le prix. Regardez un peu Marcel Cochet, mes chéris. Regardez, vous voyez comment elle est très forte. Non? Regardez une périsse sans col. Regardez les finitions, vous me mettez. Regardez. Hé, hey, maman. Ça, je me suis pas maquillée. Hein? Il n'y a pas mis de poudre. Il n'y a rien mis. Regardez vous-même. Dernier prix. 170 000. Elle est bien longue. Regardez. Mes chéris. Écoutez, on va dire que ma vie se comprend. Il y a des jours où j'ai envie de parler. Il y a des jours où j'ai franchement envie de vous parler. Vous voyez un peu, non? J'ai dit que regardez Marcel Cochet. Vous ne la voyez plus, non? Hein? Son fiancé a dit quoi? Elle-même, elle a compris que quoi? Elle a compris qu'il n'y a rien sur les réseaux. Elle-même, elle a compris que les voyages gnor-gnor là, si ce n'est pas seulement les voyages d'affaires. Elle ne voyage plus pour aller peut-être. Oh, elle n'est plus dans les bêtes voyages. Parce que désormais, bientôt, on dirait Madame Telle. Elle a compris. Vous avez dit que ce n'est pas 170 000. Parce que de nos jours, vous avez dit que pourquoi une influenceuse se marie hein, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus facile. Pourquoi une influenceuse se marie, mais sont curieuses, ce n'est pas facile. Les hommes veulent seulement prendre les influenceuses et les blogueuses et les actrices pour aller faire les voyages. Ils ont une mission comme ça là. Ils vont demander le visa, aller avec les Njomba. Comme ça, c'est les filles comme ça, comme les nouveaux de Bangkok mariés. Ils vont t'amener à Paris, ils vont t'amener aux États-Unis, ils vont t'amener à Dubaï, ils vont t'amener en Côte d'Ivoire pendant sa mission. Parce que, il sait qu'il va passer, ben, il va ignorer avec toi. Il va prendre son plaisir avec toi. Après, il y a quelques billets d'argent. Après, c'était bon. Vous comprenez un peu, non? Les hommes savent déjà que c'est comme ça qu'on traite les influenceuses. Alors, ça fait que ça devient difficile pour elles de trouver vraiment un nom à leur choix, à leur goût. C'est difficile, je vous jure. Ici, dans une influenceuse, c'est difficile maintenant qu'elle se marie avec l'homme de ses rêves. Ce n'est pas facile, même si elle a tout l'or du monde. Elle va sortir avec un homme parce que non, l'âge est dépassé. Parce que non, gars, elle a fait ses trois ou ses deux enfants. Donc il y aura toujours une raison, mais ce ne sera pas l'homme de ses rêves. Vous comprenez ou pas? Donc, moi, je félicite Koutelina.
Elle n'aime pas d'abord trop sur Facebook, on va dire qu'elle n'aime pas d'abord trop dans les buzz. Mais après, elle est encore devenue retirée. C'est encore retirée. Donc elle est encore plus responsable. Regardez Daphné. Vous avez insulté Daphné pour dire que depuis qu'elle s'est mariée, elle ne chante plus. Vous pensez que les chansons là valent son mariage, maman? Les chansons là valent son mariage, ses enfants, son avenir? Hein? Quand tu épouses un homme, laissez les choses que les bénissent, les filles qui sont en Bengla, les filles de Bengla sont trop mal élevées. Vous comprenez ce que j'avais dit, non? Les filles de l'Europe et de l'Occident sont très mal élevées parce qu'elles sont passées là-bas. Le blanc les a dit que on te couvre, la loi ici couvre les femmes. Elles ne respectent plus l'homme. Vous comprenez, elles ne respectent plus l'homme. Les filles de Bengla, excusez-moi, mais elles sont curieuses. Moi, c'est seulement que les filles qui sont là-bas en Bengla, non. Le blanc vous a trop avantagé. Hein? On vous couvre, vous faites des bêtises, on vous couvre. Et donc, construit sa maison, il t'épouse, après il te boude, tu appelles la police, on le met dehors. L'homme ne peut même pas te insulter aussi comme il veut, il ne peut même rien faire. Vous comprenez un peu donc? Je ne comprends pas. Le mariage est devenu difficile. Voilà, Daphné, elle s'est mariée avec son type là. Elle est calme. La perruque, si elle coûte 160 000 francs, le dernier prix, c'est 160 000. C'est 160 000 francs. Voilà le numéro en bas. Sans col. Sans col. Vous avez vu comment je viens de porter. Il n'y a pas de col. Vous avez dit que Marilyn a fini avec les perruques sans col. Il n'y a pas son deux au Cameroun. En coloration et en confession, en finition. Il n'y a pas son deux. C'est l'unique. Vous voyez, il n'y a pas. Regardez. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, voilà Daphné qui est très posée dans son mariage. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Quand vous voyez Daphné manque de quelque chose. Hein? Et je disais que le mariage n'est pas toujours comme, n'est pas toujours l'argent comme avec son mari, un milliardaire. Le complice va tuer les influenceuses. Hein? Elle est tout comme qu'elle aurait, elle épousait telle. Elle épousait telle. Non, maman. Il n'y a pas qu'elle épousait telle. Ce qu'on veut savoir, c'est que est-elle heureuse? Est-ce que tu es heureuse? Parce que l'argent là, elle dit, moi, ça ne fait même plus le bonheur. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que ton homme t'aime? Est-ce que tu es épanouie dans ton mariage? C'est le plus important. Il dit que non, j'aime Nabila. Nabila, excuse-moi, je ne sais pas si tu aimes aussi quand que ton gars aime Liadère. Mais quand moi je te regarde, je sens que ton gars est toi. Je sens que ton gars et toi, non, vous vivez l'amour, vous filez l'amour parfait. Il n'y a pas trop les dos, genre waouh. Mais on sent que ta vie est heureuse, on sent que ton homme t'aime. Il t'a accepté avec un enfant, il t'a accepté avec ta musique que tu joues avant. Il ne veut pas savoir qu'il t'a ignoré avant ou pas. Il t'a accepté comme si t'as pris comme si t'es épousé. On sent que non, tu vis le vrai amour et tu vis avec l'homme de tes rêves, lui Nabila. Hein? On sent que Koudina a aussi trouvé sa moitié. On sent que Koudina a trouvé sa moitié. Elle ne veut plus se monter quelque part. Elle ne se snap même plus trop où elle manque, les amis cherchent, elle est plus cherchée. Maintenant, elle snap que Chloé, laisse Chloé tranquille, accouche ta petite soeur. Coute, laisse Chloé tranquille. Va accoucher maintenant pour le gars là. Mariez-vous d'abord, hein. Il te pousse, tu veux pas l'enfant. Mariez-vous d'abord, maintenant tu fais les soeurs de Chloé. Hein? Voilà Coutelina, je la respecte maintenant. Je respecte Daphné, je respecte Nabila. Je respecte Nathalie, quoi? Oui. Parce qu'elles ont compris que non. Il n'y a rien dehors. À force d'influencer, on va finir par les influencer elles-mêmes. Oui, elles ont trouvé leur homme. Vous avez vu comment Nathalie Koué est venue et s'est installée à Douala. Vite fait. Vite fait. Un peu pour la banque à Venise. Un peu pour elle est rentrée à l'enceinte. C'est facile. C'est facile. Elle est mariée, mais elle est posée. Vous l'avez encore sur Snap. À part ses produits, vous l'avez encore sur Snap elle-même. Jamais. Jusqu'elle a trouvé. Jusqu'elle a trouvé son Joe, maman. Mais si c'est un vieux père, elle a son tout arraché. Elle est en mariage. Même beaucoup essayé. Coco a essayé de se marier avant que ça n'a pas dosé. Donc, à travers Coco, vous devez comprendre qu'il n'y a pas une fille qui ne veut pas se poser. Il n'y a pas une fille qui ne veut pas se marier. Tout le monde veut se marier. Vous avez vu comment, au départ, quand le mariage de Coco essayait d'aller, vous avez vu comment elle se comportait. Son comportement avait changé. Voir où font mes copines. Elle avait changé, non? C'est quand ça a déraillé, là, quand elle a commencé, ça s'est sorti bizarre, là. Sinon, au départ, on a compris que si son homme ne sait pas ce qu'il y a entre eux. Mais on sent que si c'était le genre qu'elle voulait, serait elle rester dans son mariage tranquillement, tranquille. Vous comprenez bien, non? Donc, Daphné, Nabila, Koutelina, j'ai encore cité qui là. Vous avez, mais maman, vous avez, je vous respecte, maman. Vous avez tout mon respect. Vous avez tout mon respect. Je vous respecte, mes chéris. Oui, ça va aussi nous encourager, nous aussi, comme ça. Hein? Ça va nous encourager à dire aussi à nos gars que, mais c'est comment on n'est plus là. Hein? Ou même si ils nous ont dit avant, ton bébé dans ce quoi, salade, je te bloque, tu es une nouvelle sur ma page. Avec tes oreilles comme les chips, c'est là que j'ai décidé pour aujourd'hui, je te bloque. T'es une Stéphie, hein? Je te pardonne. Maman, ton teint là,
Montaigne a fait quoi? Montaigne n'est pas joli. Si Montaigne, si dans ton téléphone, tu vois que Montaigne n'est pas joli, c'est que tu utilises le téléphone Itel. Tu comprends, non? Ça veut dire que les boys là qui dorment à quoi dans la rue de New York, tu n'as rien. Tu n'as pas 5 ans pour acheter un petit iPhone 6 Plus. Tu veux dire que ton teigne là, gnoc. Bouffe, va travailler salade. Les gens ont dit ici que le direct, on a d'abord que la caméra est de fou, j'ai nettoyé. Elles ont dit que c'est propre. Tu prends ta vieille tête comme, je sais même pas, comme la calebasse pour dire ton teigne là. Voilà. Donc, voilà les filles que je respecte. Mais là, si le gars vous aussi que je la respecte, hein, qu'elle nous montre le droit de son gars. On a vu le gars de Daphné, on a vu le gars de Coutelina, on a vu le gars de Nabila. Oui, si le gars aussi comme parle d'elle, elle dit aussi bon que son gars on voit sur Facebook. Parce que toutes les autres influenceuses, là, les blogueuses et les artistes là, elles ne montrent pas les gars parce qu'elles bordent trop. Elles ont les gars par-ci par-là. Elles ne veulent pas assumer une relation parce que si elles savent qu'elles viennent mettre le gars d'elle sur Facebook, ça va gâter les autres gars. Quand la femme est mariée, elle est plus respectée dans la société. Je t'ai dit! Mais Carla, c'est vrai, non, mais est-ce que j'ai envie de mentir? C'est la réalité, c'est vrai. Quand une femme est mariée, maman, c'est pas l'ombrakata. On te respecte, surtout quand toi-même tu te respectes, encore tu valorises ton homme. Pareil pour l'homme, on te respecte, ma chérie. Moi, si je sors de ta mariée, par exemple, on va dans un milieu. Vous pensez que si on va dans une cérémonie, on va devoir donner la chaise à mariée, on va devoir donner la chaise. Parce qu'on sait que c'est une dame, voilà, elle est mariée. Hein? On se voit la chaise derrière elle. Quand on parle de l'alliance ici là, tu n'auras pas le même respect là que celle qui est mariée. Pourquoi même quand tu parles à la banque, tu vois les filles là à la banque avec les vêtements bizarres, bizarres. Tu vois une dame encore avec son alliance, maman. On dit, madame, venez, tu es assise là-bas derrière comme le voutou. Donc, le mariage est bien. On respecte la femme qui est mariée, nous que les Njomba. Les Njomba, vous avez bien, vous avez beau voyager avec les maris des gens. Vous allez partir même jusqu'au ciel. Mais après, on va toujours rentrer chez lui, rejoindre sa femme, sa dulcinée, celle qu'il a choisi et mettre à la maison, la femme qu'il a choisi, parce que ce n'est pas la femme qui choisit l'homme, c'est l'homme qui choisit sa femme. Vous comprenez, non? La femme, c'est l'homme qui te choisit. La femme te choisit pas l'homme. L'homme dit que veux-tu m'épouser parce qu'il t'a choisi toi, parce que son regard s'est posé sur toi, parce qu'il t'a étudié, parce qu'il a vu que tu remplis les formalités, parce qu'il a vu que tu es la femme idéale pour lui. Donc, tu l'as intéressé, il t'a dragué, il t'a demandé un mariage, il l'a mis à la maison. Donc, c'est la femme qui drague, c'est l'homme qui drague la femme. C'est la femme qui, c'est l'homme qui choisit sa femme. Autant pour moi, vous comprenez un peu, non? Donc, comment vous choisissez, on met à la maison, là, ce n'est pas des possible de narguer vos copines au quartier. Hein? Parce que si c'était un bracata villageois, ils sont connus. Quand on fait comme ça, c'est que dès qu'on les a épousés, mec à la maison, elle commence à narguer les copines au quartier. Sachez aussi que le mariage est fini, hein? Le mariage finit aussi. Donc, si Dieu t'a fait grâce, tu te maries, maman. Bénis Dieu et reste tranquille. Hein? Si tu trouves ton beau-frère qui peut aussi épouser ta copine, mets-la en contact. Oui. Et quand tu te maries des fois, là, il faut quand même fuir tes copines célibataires, hein, surtout celles de droit, là, parce qu'on les connaît. Je connais une copine qui s'est mariée, elle est venue au Cameroun avec son gars. Sa meilleure copine a mis avec son mari. On connaît aussi les femmes là. Donc dès que vous vous mariez, évitez de venir raconter vos vies. Oh mon gars, moi, on part aux Antilles en congé le mois prochain. Oh mon gars, m'a acheté ceci là. Oh mon gars, m'a acheté au Star Chanel. Oh mon gars, gnon, évitez ça aussi. Sachez qu'il y a des femmes jalouses. Quand on les a accouchées, comme ça, avait une jalousie en elles. Hein? Vous pouvez tout vous raconter. Mon gars, quand on voit ce TikTok, une fille passe son gars chez la perruque. Mon gars m'a acheté la perruque, c'est là. Tu sens que c'est même elle-même qui allait filmer. Venir poster pour que c'est son gars qui a acheté. Un gars qui a acheté une perruque, donne une femme, c'est un bordel. C'est un bordel. Si tu as ton gars, il te ramène les perruques à la maison, c'est un bordel. Les vrais hommes, hein? Ils te disent, bébé, il faut que j'achète une perruque. Bébé, je t'offre une perruque cette fin du mois. Mais ils donnent l'argent à toi, la femme, d'aller acheter la perruque. Si tu restes ton homme, viens avec une perruque comme ça, emballé. Il te dit qu'il a acheté ce baril, c'est un bordel. T'as dit, Marie, je m'en. Un homme fait quoi des enfants, on va voir les perruques. C'est un quoi là, un quoi là, un bordel. Vous comprenez pas, non? Il dit, si ton homme reste, il vient avec une surprise. Tu ouvres les gars, tu vas sur une perruque. Prends-tu le front avec, tape ça sur sa face. Parce que c'est un bordel. Un homme fait quoi dans les enfants, on va voir les perruques. Hein? Gifle là avec. Quand il lui attache son cou avec, tu sais ce qui reste, petit daï. Parce que non, il a bordé. Ce sont les Njomba qui l'ont appris à dire que bébé, je veux la perruque brésilienne, je veux la indienne. Ce sont les Njomba dehors. Les petits Njomba aliénés là. Quand on leur demande que tu veux quoi, bébé, je veux la perruque, je veux la perruque. Ça, c'est les socoyeuses mbrakata, bordé de 5 francs. Et donc, te demander que tu veux quoi, tu veux la perruque, maman. Tu n'as pas honte. Hein? Ya! Yeah.
j'ai soif. Maman, c'est quoi mon bisou, maman? Boulou. Hé. Tu restes un gars entre eux. Qui t'a gardé les glosses? Prends le gloss là, tu mets sur les bouts de ses seins, tu tapes fort comme ça, là, tu chiffres les bouts de ses seins avec. Tu gardes le gloss à une femme que tu fais pas Eva parce que tu achètes le gloss. Il dit si tu gardes le gloss, tu dis qu'il ne vient pas se laver. Il se lave sur le mur au lit, tu verses sur le gloss de ses seins, tu tapes ses seins, tu boxes jusqu'à ce qu'il bébé dans le sommeil. Et là, tu gardes le gloss que c'est un PD, maman. Eh, voilà. Donc, mes chéris, descends pas, y'a là. Donc, prenez soin de vos fesses, prenez soin de vos seins. Parce que dans cette plus que les menguistes viennent vous gnongjor, au lieu que les menguistes vous gnongjor sur le mois de décembre, cela, allez choisir un gars qui est là-bas en soi ou un gars qui est ici à laisser gadoua là. Vous donnez les fesses à ignore bien même. Au lieu de ça, un menguiste. Ils vont savoir prendre ça cette fois-ci, mettre dans un trou comme ça pour se masturber. Mais que ça va entrer dans les fesses d'une proche, je refuse. Si une fille me suit, c'est qu'elle mérite la ignorance de ça, c'est qu'elle n'est pas une socoyeuse. Oui. Voilà. Donc, maintenant, c'est fini, maman. Voilà, les socoyeuses. J'ai fait cette petite directe parce que je vous ai trop tourné la semaine passée pour ce qu'il y avait les socoyeuses. Après, je vous ai rien donné. Et il y a un gars qui achète le téléphone. C'est un bordel aussi. Non, un gars qui achète le téléphone comme ton, c'est pas un bordel. Parce que tout le monde a besoin d'un téléphone. Moi, je suis sur les réseaux. Hein? Je suis sur les réseaux, je dois faire le socorro. Si mon gars me donne le téléphone, c'est que c'est un très bon gars. Je dois le féliciter pour ça. Le téléphone, non, c'est même rien. Mais je n'aime pas qu'on demande à une fille qu'est-ce qu'on peut t'aider. Tu veux quoi en cette fin dernière, dire que le téléphone, je veux la gifler les bouts de mes doigts comme ça. Je veux la gifler comme ça. Quel gars t'es à la fin, que tu veux quoi? Tu n'as pas le téléphone, maman, t'as des PC dedans. Hein? C'est ce genre de truc que j'accepte pas mal. Il y a les hommes qui aiment aussi faire les surprises. Tu vas faire les surprises avec la perruque de ta femme. C'est que c'est un bordel, ma. Tu peux tout prendre, non? Mais c'est seulement que ton homme, c'est un bordel. Eh. Ouais, il vous dit la vérité. Mais son collègue, est-ce qu'on va tourner pour manger? Voilà. Donc, je pense que j'en ai terminé. Donc, je suis en train de dire que je fais cette petite direct parce qu'en semaine, je vous ai promis le socorro que je n'ai pas honoré parce que vous n'étiez pas connecté. Vous avez vu comment j'en ai bien connecté, mais j'ai bien fait le socorro. La plupart des temps qu'on est connecté, ça me motive beaucoup. Vous voyez, ça me motive beaucoup. Voilà. Il y a une. Oui, j'ai eu une très mauvaise expérience avec les menguistes. Oui. Oui, j'ai une bulle, non. Quelqu'un qui n'a pas ignoré un menguiste qui est parti après l'abandonner. Ça, tout le monde a vécu ça. Donc, j'étais en train de dire que les filles là que je respecte désormais, c'est Nabila, c'est Poutelina Fontana, c'est Nathalie Koa, c'est Daphné. Noël Kemoué, bientôt, si je veux la respecter. Noël Kemoué, je vais aussi bientôt te respecter si tu deviens Madame Tralala ou si tu te calmes, tu accouches, tu es tranquille dans ton foyer, si tu veux aller. Avec papa Owo, s'il n'y a plus de buzz sur autour de vous, je veux beaucoup te respecter, Noël Kemoué. Mais c'est quand même que tu es sur la voie. Et c'est quand même que tu es sur la voie d'être une très bonne femme. Voilà. Et le reste aussi. Pour le moment, celle dont j'ai prononcé le nom là, maman. C'est parce que j'ai vraiment vu le changement dans l'air avant et après. Vous comprenez un peu, non? C'est parce que j'ai vu le changement dans l'air avant et après. Regarde-moi la chienne, c'est là. Est-ce que tu copies déjà Aïcha? Salade. Tu veux qu'elle te copie? Sapac. Quand quelque chose est bon en copie ce quoi, j'ai demandé mes pères, mon socorro. Ne va pas parler de ce que je pense. Avec des narines comme la soupape d'échappement du train. Salade. Et ne va pas la copier, c'est pas ma copie, ok, la copie. Il doit la copier même. Si elle fait ce qui est bien, je triche et je crée mes bras, plus avec. Hein? Non, mais ça, c'est quoi? Qu'on gnor. Il n'y a que moi, dit que quoi, gnor. Il n'y a que moi. Les gens en train de dire ceci, ma. Ils étaient en train de dire qu'aujourd'hui, les femmes aiment trop faire genre le mariage, c'est quoi? Gars, le mariage n'est pas une fin en soi, comme moi. Ils sont en train de dire que les femmes la mentent. Toute femme veut se poser. Toute femme veut avoir, à partir de 35 ans là, toute fille veut avoir un homme dans sa vie. Quelqu'un la chauffe comme ça, il dit, bébé, je t'achète quoi pour... Bébé, on va à l'hôpital. Quand tu es enceinte, qu'on s'y t'accompagne à l'hôpital, le soir, comme ça, quand il rentre, gars, toute femme veut vivre
ça. C'est beau, c'est mignon. Vous pensez qu'à 40 ans, qui va vous épouser? À 40 ans, tu vas voir une fille qui vit. Tu vas voir une femme de 40 ans qui n'est pas mariée. Elle est méchante jusqu'à tout ce que tu fais, elle voit quand mal. Même quand tu es gentil, aussi, tous les problèmes. Même quand tu fais quoi, les femmes qui sont à 40 ans, les femmes qui sont mariées, maman, tu ne peux pas t'entendre avec elles. Donc, c'est un peu ce que je t'ai dit, c'est dans le direct, c'est ce que je disais. Dire que toute femme doit se marier, toute femme appelée se marier. Et toutes les filles là qui disent qu'elles sont les femmes fortes, femmes indépendantes, elles mentent, elles ne se marient. Le mariage, c'est la fin des temps. De toute façon, j'ai ri même pour rien maintenant. Non. Ah ah! Voilà ma nouvelle qui confirme. Vous savez que dernièrement, comme si elle pas dormir chez Owo. Owo aussi vient dormir. Donc maintenant, là, ils sont là pour ça. Tout. Donc, pendant une semaine, elle dort chez son fiancé Fimon. Peut-être 5 fois. Hein. Les 2 autres femmes, elle dort chez elle. Elle a goûté, non? Elle a vu que c'est bon. Maman, c'est bon. Faisons seulement quand mon gars est là. On fait seulement une semaine sur place, nous deux. Qu'il est là, je suis dans la cuisine pour lui, je repasse un peu les vêtements. Hein? Je crase les condiments sous la pierre. Hé! Hey! Maman, quand mon gars là, hein? Je ne crase pas dans le moulinex. Je ne crase les condiments dans le moulinex. C'est sous la pierre que j'écrase. Oh, goup, 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 sous la pierre. Le gombo, toang, toang. Bang, 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 le gombo sous la pierre. Il n'y a pas le moulin. Il faut qu'il voit que non. Même s'il n'y a pas la lumière, ça peut cuisiner pour lui. On a pu faire les choses des stades à quand on dit que non, je peux pas. Je peux écraser mon os sur la pierre parce que ça doit être gnon, ça brûle mes doigts, gnon. Groum dans le moulinex. Les gars, en réalité, ils ne veulent même pas les filles riches dans leur vie. En réalité, les gars veulent les femmes. Une femme quand même qui sort travailler, mais qui n'est pas trop riche que. Parce que les Camerounais sont les villageoises. Tu vois une Camerounaise, dès qu'elle a cédé argent, elle va commencer à dire que l'homme c'est quoi. Hein? Un semblant d'argent même. Elle va commencer à dire que l'homme c'est quoi. L'homme c'est rien. Elle ment. L'homme c'est quelque chose. L'homme c'est quelque chose, maman. Quand tu chauffes comme ça, un gars vient te faire des bisous au cou, il te met l'eau dans le verre, que bébé boit, il ouvre ta bouche, ouvre, tu mets, il lance le bébé boit avant. Bébé, ça va aller, c'est bon. Ça peut me soigner par lui là même plus que le remède. Vous comprenez un peu, non? Donc laissez. Si vous voulez vous écouter les filles là, hein, qu'est-ce que le mariage est bon. Hein? Et bon, ma mère avait dit que le jour que tu décides d'aller te marier, sache que tu ne vas plus jamais rentrer. Parce que ma mère, depuis qu'elle a épousé mon père, elle n'a même jamais essayé de porter ces choses pour dire qu'elle n'est pas maman de revenir. Elle n'a même jamais essayé. Donc elle dit que prenez l'exemple sur moi. Le jour où tu vas décider que tu vas te marier, ce serait seulement pour le meilleur, pour le pire. Oui, elle dit prends l'exemple sur moi. Je suis pas maman de revenir. Tu dis que non. Elle dit ok. En fait, le mariage est une fin en soi. Alors que, oui. Oui, laissez, c'est une fin en soi, c'est bon à nous comme ça, c'est une fin en soi. Hein? C'est une fin en soi et c'est bien. C'est dans notre culture. Nos parents qui ont fait les 30 ans, les 40 ans de mariage, là, c'était les sorciers, c'était les extraterrestres. Ils ont supporté. Il y a tout dit que dans les couples, quand tu es même encore avec ton gars pour ça en concubinage, ou quand tu sois avec un homme, hein? Si tu, ça commence, les bonnes manières commencent même d'abord quand tu viens m'envoyer avec un gars. Vous êtes encore en couple là. Si pendant que tu viens avec ton gars, tu n'es pas soumise. Les hommes aiment aussi les femmes soumises. Soumise ne veut pas dire que tu es une bénie, oui, oui. Soumise veut dire que parfois tu peux même discuter avec ton gars pour ça. Il a même tort. Tu te calmes même, tu passes sur ça. Hein? Pas le genre qui dit que calme-toi. Je me calme pour quoi? Tu as me fait quoi? Oh gars, tu as me fait quoi? Laisse-moi. Hein? Tu peux te calmer même quand il y a tort. Tu le laisses avec, tu passes à autre chose. Oui. Les gars aussi sont fatigués de prendre les kings pour mettre à la maison. Les gars sont fatigués de mettre les lions à la maison. Ils sont fatigués. Ils veulent aussi le genre pour ça qu'ils me mettent des frites. Tu fais oui, non, mais bébé, arrête. Non, mais tu m'as fait peur, chérie. Non, mais attends. Tu vois, un gars fait où? Tu te mets à côté sur les yeux, voilà, comme pour le vampire. Ils font ça. Tu restes, tu bloques quoi, maman? Tu es maïtasse, tu bloques quoi? Hein? Le gars te gifle, tu l'as cravaté. Jusqu'à le gars de tuer même la chemise est sortie dans le pantalon. Vous pensez que vous partez où avec les filles là? Un gars part où avec ça? Hein? J'aimerais entendre mon frère dire que maman, j'ai voulu taper ma copine, elle a fui. Un gars c'est là, il fait tu as dit c'est quoi? Tu me fais quoi? C'est quoi? C'est quoi, hein? Le gars là va s'en sortir, maman. Il a dit t'as seulement giflé. Tu as arrêté son habit comme ça là. Wow, tu as envoyé les mots de la banque, non, parle encore. Tu me connais? Tu me connais? Au quartier, on m'appelle la fausse furieuse, touche pas encore, voir. Touche pas encore. Maman, si tu as arrêté son pantalon, c'est ta main qui est dans ses fesses, c'est que quoi? Les filles des maquillages comme ça.
Hein? Les filles de je sais même pas les filles des mini fermes là. Les filles du carrefour ont beau sont aussi là-bas et tout dit. Hein? Les filles étonnent là. Tu vas me faire quoi? Tu me connais pas. Tu ne me connais pas. Je t'ai dit, touche-moi, voici. Touche-moi. Hein? Tu vas me faire quoi? Hein? Tu vas me. Maman. Le gars là part où? Il part où? Hein? Ouais. Tu as gagné du seul ton gars. Vous êtes à table. Tu attends avec un gars. Il fait semblant de verser la. Il fait la semblant d'ouvrir la bouteille pour te verser parce que tu as trop crié. Tu as arraché ce que tu as fait, cher sur lui. Ya! Yeah. Vous exagérez. Merde, vous exagérez. Hein? Il y a les filles qui sont bien élevées pour ça que la nuit, quand elles sont couchées avec les gars. Elles sont couchées. Le gars a envie de faire, la fille ne veut pas faire. Dès que le gars la touche, même non, bébé, je viens dans mes bras, je te fais un câlin en dos. Je suis trop fatiguée. Mais fais-moi un câlin, bébé, je t'aime, moi. Voici une autre, voici les filles de doigts là. Elle ne veut pas faire, son gars le fait. Le gars, laisse-moi ce quoi? Il va dormir. Je n'ai pas dormi, c'est quoi? Je n'ai pas dormi, maman. T'as donc gagné, laisse-moi ce quoi? Ok. Voilà les filles de doigts là. Il y a même les manières de refuser de l'ouvrir à quelqu'un, non, maman. Quand t'as de toucher le boxer, maman, c'est quoi mon kung fu là-bas dans le. C'est quoi quoi, hein? C'est quoi quoi? Quelqu'un a le boucher quoi, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mon frère, le gars de tout ce que vous me dites, c'est quoi, hein? Hein? Wouah! Gars, vous avez fini avec moi. Vous avez fini avec moi. Moi-même, je vous donne les mains, maman. Il vous donne les mains. Un gars se lève le matin, il prend sa mallette. Il prend sa mallette, chérie. J'ai envie d'aller au travail. Il tape sa bouche pour dire, le gars, pas non, mon frère, pas non, ouais. Je suis stressée, j'essaye, quand j'essaye, je suis nerveuse. Gars, bye, pardon, mon frère, j'ai chaud. Et qui est? Attendez, c'est quoi, hein? Donc, quand tu signes ton gars, pour pas te faire bisous dans le travail le matin. Hein? Hein? Ouah! Le soir, le gars, tu rentres. Tu. Il rentre que tu as pris le filet. T'as marié les gros filets là. Tu as pris le gros filet, même que tu as fait tout ce qui est là. Hein? On voit que tes petits, on voit que tes yeux comme ça là, comme pour les bouts. Tu as mis le filet. Tu as porté le pantalon, ce qui a mis la chaussette en bas. Toi, tu as pris le gros pleuvé. Tu as assis comme une astronaute comme ça. Il y a à exagérer les filets là. Hein? Tu t'es appris que c'est quoi? Je suis pas démonté sur la lune, maman. Ton gars, il est passé dans la rentrée, il veut manger. Tu as servi là-bas. Tu vois, c'est une nouvelle. Yeah! Ouais, on passe l'eau. Yeah, Stéphanie! Ouais! Non, mais Stéphanie! Non, rien à s'y l'air! Yeah! Anita! Donne-la à ton père! Donne-la à ton père! Oui! Yeah! Non, quoi? Vous exagérez! Pardon! Merci pour essayer ça de temps, ma chérie! Merci! Ouah! Ouah! Non, les gars, exagère! C'est une fille exagère ici dehors. Ya! Yeah! Apprenez à être douce. La femme doit être souple et sensuelle. Une femme doit être souple. Tu veux vivre s'asseoir son mari là parce qu'elle est assise. Elle dit pour s'asseoir sur la chaise. Que... Hé! Hey! Oh! On va prendre s'asseoir. Hein? Voici la salle à manger. Voici le salon. Voici son mari assise. Hein? Elle est la même chérie. Regarde que. Tu es le sac de macabo, maman. Tu es le sac de macabo, maman. Donc, tu ne comprends pas que quand ton mari est assis, tu es assis. Tu viens comme ça. Tu vas venir t'asseoir avec un peu de finesse. Croiser le pied légèrement, genre. Hein? Tu vas t'asseoir posément sur la mèche encore dans ta bouche. Tu tires avec un peu de. C'est quoi, quoi? Hein? Ya, yeah, vous exagérez. Vous exagérez. Katharina vient servir ton père. Amen. Viens débarrasser la table. Tu fais quoi assise, maman? En t'es posé pour que tu viennes visionner. Hein? Tu as appelé tous les enfants, toutes tes nièces dans la famille pour qu'on vienne laver le sol. Le matin, tu es couché là sur la télécommande. Tu as mis Twist. Tu vois le salon. Hein? Les filles comme ça, quand on voulait voler, les gars les amener en mode à la
pour Yaba qui précise ce soir. Ma co mes copines. Tata, t'es un peu humilié quelque chose. Regarde. Les gars ont fini avec ici, voilà. Regarde mes chéris. Le gars quitte comme ça, à l'entrée de la boîte. Donc, on est encore à l'entrée. Elle entend le son. Elle entend. Et regarde comment elle arrive. Parce que le couloir, voilà, voilà, la bête. Là, voici la maison. Au couloir. Pardon. Moi, je suis fatigué, pas mal dormi. Hier, ou quoi? C'est que non, j'ai trop vu les choses. Qu'est-ce que vous racontez seulement? Ça, c'est combien de temps? On ne devrait pas mal dormir, pardon. Ça, c'est combien? 180. 180, mais je suis morte de rire. Valérie Ndongo pour les stand-up. Maman, pardon. Ouais. Merci, mes bébés. C'est combien, 100 combien, maman? 180. 180 milliards, je ne danse pas le mollet. Mais quand il m'énerve, il me tablesse, maman, tu danses le mollet. Toutes les filles qui dansent le mollet ne peuvent pas rester dans le mariage. Vous comprenez un peu, non? Pardon, merci à ceux qui sont restés connectés. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui ont envoyé les cœurs. Mais ça, c'est qu'on voit les étoiles. Merci à vous, maman. Merci, merci. Je n'ai pas m'endormi, je n'ai pas marié. Je suis fatiguée, mais je suis ici depuis
Depuis le début, je vous ai dit que vous juste les deux portes ouvertes ici là. Ouais. Chacun maintenant avait sa mèche et on faisait un routine. On va réorganiser d'autres. Mm-hmm. Donc on va encore réorganiser d'autres. Vous riez même pas encore riche. Elles étaient nombreuses. Merci à ceux qui ont contacté directement Marilyn. Voilà, vous voyez comment j'ai bavardé, mais je ne rougis pas. C'est Mira Cosmétique. Exactement. Hein? C'est Mira Cosmétique. Est-ce que je rougis encore, mais je ne rougis plus. Mira m'a donné le secret. Ne me vois-tu rien? Gars! Mira Cosmétique. Il y a des contacts aussi. L'entreprise Merveille Surprise. L'entreprise Merveille Surprise pour vos surprises. C'est la fin d'année. Faites des surprises à vos gars. Faites des surprises à vos gars. Si c'est pas dit, il n'y aura rien. Et que ton gars est fâché, appelle Merveille Surprise. Il t'organise une surprise. On chante le boum 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 boum. Une chanson d'amour à ton gars. Comment on voit des films brésiliennes là? Contactez Merveille Surprise. Même si ta personne est triste, tu contactes Merveille Surprise. Elle va faire un cadeau. Elle va envoyer son équipe. Elle va venir chanter une chanson d'amour à une personne qui est triste. Je ne sais plus comment vous expliquer. Merveille Surprise. Abonnez-vous sur sa page. Pour ceux qui sont aussi en Europe, qui ont besoin de faire les transferts d'argent ici en Afrique, utilisez l'application TapTapSend. Vous utilisez mon code promo CAM237 pour toutes mes sociétés qui sont en Europe là. Même si c'est la perruque que vous voulez acheter, mes chéris. Vous ne voulez pas aller vous aligner à la banque pour envoyer l'argent. Téléchargez l'application TapTapSend. Introduisez mon code promo CAM237 pour acheter cette perruque ou pour faire toutes vos transactions. Merci, bonne nuit à vous. Je vous aime. Je vous aime gros comme ça là. Voilà, bisous. Ciao.